Eh bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous et merci d'être présents et présentes pour ce live organisé par Nombi Radio et Sentinelle Sociale avec Nicolas aux manettes qui permet à ce que ce live existe techniquement. À partir de mardi prochain, 26 janvier, débutent les séances publiques à l'Assemblée nationale pour la loi qui vise à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. On n'a jamais autant parlé de la condition des autres animaux. On n'a jamais eu un tel engagement citoyen et pourtant on a l'impression, qu'un plafond de verre bloque les avancées véritables. Cette proposition de loi fait suite à un projet qui a été porté à l'automne par Cédric Villani, inspiré du référendum pour les animaux, un projet qui a été rejeté dans des conditions très limites, démocratiquement parlant. C'était le 8 octobre dernier, la teneur des débats a constitué une manœuvre de la part des opposants aux droits des animaux non humains pour saborder le projet. La plupart des députés ont paralysé le débat et pris position dans les sillons du lobbying d'exploitation des autres animaux. Alors aujourd'hui, il nous a semblé essentiel de permettre à des militantes d'influence de nous livrer leurs réflexions sur ce énième projet de loi. S'agit-il d'un début de changement culturel dans la prise en compte des animaux non humains ou d'un opportunisme politique, pire peut-être même un recul? Les questions vont être donc posées ce soir. Pour en discuter et répondre à vos questions, nous accueillons en visio les représentants et représentantes de trois axes de la lutte animale. Premier axe de représentation politique avec Laurence Volbart, co-correspondante du Parti animaliste à Paris. L'autre axe, activisme de terrain avec Amandine Sanvicens, présidente de l'association Paris Animaux Zoopolis. Et enfin, axe d'influence avec Milton Federici, chargé des affaires publiques à Convergence Animaux Politiques. Les invités donc vont apparaître à l'écran. Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver et merci vraiment du fond du cœur d'assister à ce premier live en coopération entre Sentinelle Sociale et Nombi Radio. Pour nous, on est débutants, donc je vous remercie de nous accorder un petit peu comment dire, d'indulgence. Ok. Je vous propose, chers invités, de présenter tour à tour votre organisation, qui vous êtes bien sûr, et puis j'aimerais qu'on lance ce live, que vous nous disiez en quelques mots comment vous percevez et comment vous qualifiez ce projet de loi sans langue de bois. On va commencer par Laurence Volbart. À vous l'honneur. Bonjour Néo, bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Laurence Volbart, je suis co-correspondante pour Paris du Parti animaliste. J'y suis adhérente depuis quasiment sa création. Donc le Parti animaliste a pour but de faire entendre la condition et la cause animale en politique et d'être un aiguillon pour les autres partis pour essayer de faire bouger les choses. Évidemment, on existe parce qu'il y a eu tout plein d'associations avant nous, donc dont on ne prétend pas se substituer à elles, mais par contre, on en est peut-être un aboutissement sur le plan politique, en tout cas, c'est sûr. Le Parti animaliste existe depuis 2005, c'est déjà présenté à quatre élections. De 2017, les sénatoriales également, les européennes en 2019 et les municipales l'année dernière, auxquelles nous avons eu 12 élus dans 11 villes en France. Alors, Alors, quel avis est ressenti sur ce projet de loi? ce projet de loi, on va pas dire que c'est que tout est nul, loin de là, parce que bon, déjà, on en parle. Pour nous, c'est une victoire quand même parce qu'on parle des animaux à l'Assemblée nationale, donc ce qui aurait été quelque chose d'assez dingue, ne serait-ce qu'il y a quelques années. Cependant, maintenant, au-delà du symbole de cette loi contre la maltraitance animale, effectivement, bah là, on est là pour ça ce soir, c'est de la décortiquer un petit peu plus en détail. Et là, on s'aperçoit que, comme on dit, la montagne accouche d'une souris. Voilà, donc c'est bien parce qu'on en parle, c'est un début, mais c'est certainement pas un aboutissement, c'est pas une fin. Il y a beaucoup de choses à revoir dans cette loi. Voilà, on va voir ça plus en détail, je crois, par chapitre. Donc, Ok, Laurence. je laisse Donc, la on retient parole. cette phrase.
La montagne accouche d'une souris. Très bien. Amandine Saint-Vicence pour Paris Animaux Zoopolis. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Néo, pour l'invitation. Donc, je suis Amandine, cofondatrice de PAS, Paris Animaux Zoopolis. Donc, notre association défend les intérêts des animaux et nous avons une démarche résolument politique, c'est-à-dire qu'on s'adresse principalement aux élus, même si nos campagnes ont une dimension fortement culturelle, c'est-à-dire qu'on veut aussi changer la représentation et la vision que notre société a des animaux de manière globale. Mais on estime que le changement qu'on veut in fine, c'est bien sûr celui de la loi pour qu'il y ait une réelle protection et défense des animaux gravés dans le marbre. Alors, sur cette proposition de loi, il est incontestable qu'il y a des avancées, c'est évident, mais il y a des failles qui sont bien réelles. Je voudrais aussi quand même préciser que cette proposition de loi, elle tombe pas du ciel, comme ça, par hasard, du chapeau. Il y a un contexte qui est que, il y a des associations qui sont battues depuis des années et des années. Nous, ça fait depuis 5 ans qu'on se bat sur la question des cirques avec la campagne Exigeons une loi. Et aujourd'hui, en fait, on y est, puisque c'est une loi. Et c'est vraiment ce qu'on voulait, hein, c'est-à-dire la plus haute dimension, on va dire, réglementaire en France. Hein. Et que ça fait aussi suite au référendum pour les animaux qui a fortement poussé et qui a mis en avant des questions, la proposition de loi de Cédric Villani et enfin cette proposition de loi qui émane des groupes politiques du gouvernement, mais elle n'est pas, c'est pas une, ben c'est une conséquence en fait d'un mouvement et on s'est battu toutes et tous avec différentes structures, sur différentes méthodes, différentes initiatives, mais cette avancée, elle n'est pas la volonté d'un gouvernement, elle est la conséquence d'attentes extrêmement fortes de la population. Et puis on va en reparler en détail, mais il y a bien sûr des grands absents dans cette proposition de loi, des sujets qui sont totalement occultés à dessein. Et sur les sujets qui sont évoqués, il y a des failles, des grosses failles, et on en parlera, et j'espère qu'elles seront, si je puis dire, bouchées au fur et à mesure de l'avancée, législative et parlementaire. Merci Amandine. Et on va maintenant entendre Milton qui va se présenter et nous dire son avis sur cette voie. Bonsoir à toutes et à Sur cette tous. voie. Milton de Convergence Animaux Politiques. On est une association de lobbying. On regroupe plusieurs associations de la cause animale et on représente cette cause auprès des parlementaires, des sénateurs, des députés, du gouvernement en général. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on n'a pas de demande politique propre. On représente celle des associations. Donc on prend des rendez-vous avec les parlementaires. Et là, depuis 3 ans qu'on existe, depuis le début de la législature en fait, 2017, on a eu jusqu'à 170 rendez-vous parlementaires. Et en fait, c'est aussi en ayant cette approche-là auprès des parlementaires qu'on leur permet aujourd'hui de se sentir en confiance d'aborder cette cause-là. Donc, évidemment, le mouvement et les associations ont permis ça. Et aujourd'hui, le réveil parlementaire permet aujourd'hui qu'il y ait cette loi discutée à l'Assemblée. Donc, ce que je pense, ce que CAP pense de cette loi, c'est que c'est déjà des avancées vraiment sur les sujets qui sont portés, que ce soit les animaux de compagnie ou les animaux captifs sauvages, il y a des avancées. Évidemment, nous, maintenant, on travaille à ce que cette loi soit rendue encore plus ambitieuse avec des amendements. On a déposé beaucoup à l'examen en commission et de nouveau pour l'examen en séance. Disons qu'on ne les a pas déposés, on les a proposés aux parlementaires qui, eux, les déposent. On espère qu'ils soient adoptés maintenant en hémicycle pour que cette loi soit rendue encore plus ambitieuse qu'elle ne l'est actuellement. Merci Milton. Je vais vous proposer maintenant de voir comment on va fonctionner ensemble pour aller plus loin donc, dans le développement de votre pensée. Ce que je vous propose, c'est de travailler chapitre par chapitre. On va se donner 1 heure, donc jusqu'à 19h45, pour comprendre les opportunités de cette loi ou en définir les limites. Okay. Le dernier quart d'heure sera consacré aux questions des auditeurices. Pour pouvoir poser vos questions, vous qui regardez ce live, eh bien vous allez donc soit sur la page, sur l'événement de la page Facebook de Nombi, ou bien sur la page YouTube.
de sentinelle sociale. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, vous avez juste le lien pour pouvoir intégrer onlinequestion.org et ce sera l'événement numéro 13-375. Vous posez vos questions, elles apparaissent devant mon écran et on les posera à nos invités. Ceci étant dit, je crois qu'on va pouvoir commencer. Et je voudrais commencer, chers invités, avec le constat que cette loi se résume à quatre chapitres, là où la précédente, c'est-à-dire la proposition de Villani, en comptait davantage. Et puis, je me suis intéressé, moi, au prologue de cette loi, qui n'utilise pas du tout les mêmes éléments de langage. Dans le projet précédent, l'animal semblait davantage gagner des droits. On sentait un réel élargissement du cercle de considération. Et là, je vais vous poser une question, qui, histoire de créer un peu la polémique, si vous voulez bien. Est-ce que ça tient aux personnalités de celles qui présentent le projet de loi, l'esprit d'une loi ? Totalement, enfin complètement. Ce que je voudrais dire, cette proposition de loi, c'est que, comme son nom l'indique, elle est censée émaner des députés, puisque, contrairement à un projet de loi qui émane d'un gouvernement. Mais là, on a tout l'ambiguïté du fait que cette proposition de loi, elle intervient quelques mois après les annonces de la ministre Barbara Pompili. Donc, évidemment qu'il y a le gouvernement qui est derrière, avec le ministère de l'Écologie et le ministère de l'Agriculture, que le texte qui a initial, qui a été donc déposé au Journal officiel, a été fortement modifié et amendé, notamment par les rapporteurs qui sont censés avoir rédigé le texte. Donc voilà, donc, enfin, la question c'est que, bon, évidemment que le texte initial a été rédigé par le gouvernement et que là, les députés qui sont censés le porter l'ont largement amendé avec les auditions et aussi parce que ça correspond à leurs idées. Et je pense que les trois rapporteurs qu'on peut citer, donc Loïc Dombreval, Dimitri Houbron et Laetitia Romero-Diaz. Pardon ? Laetitia Romero-Diaz. Oui, Laetitia Romero-Diaz, sont sincères dans leurs idées. Mais c'est évident que ce texte, il a été bâti avec l'accord du gouvernement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des sujets qui n'existent pas du tout dans ce texte et qui sont totalement occultés, en fait, et que ça va beaucoup moins loin que la proposition de loi du groupe EDS portée par Cédric Villani, qui d'ailleurs avait largement mis en avant toutes les questions scientifiques avec la déclaration de Cambridge sur la conscience des animaux. Absolument. Avec voilà, et on a vu que c'était quelqu'un qui avait des lectures profondes sur la condition animale et que là, on est quand même assez loin de ça. Et que c'est une proposition de loi qui est en réalité une réponse à une demande plutôt qu'une volonté forte. Quand vous avez vu Christophe Castaner, créateur donc, de la cellule Déméter, qui positionne pratiquement les activistes animalistes comme terroristes potentiels, co-signateur de ce projet, ça ne vous a pas paru louche, ça ? En fait, moi je vais répondre très franchement, il n'a pas eu le choix, en fait. Il y a un gouvernement qui lui a dit... Ben là, maintenant, on va mettre une proposition de loi parce qu'en fait, on ne peut faire sans dans un an, c'est les présidentielles et qu'il y a des attentes et que si on ne fait rien, il va y avoir un problème. Donc, en fait, il a suivi le mouvement, voilà, comme tout le monde. Je voudrais quand même préciser que cette proposition de loi, elle est officiellement déposée au nom de trois groupes de la majorité, donc Agir Ensemble, le Modem et En Marche, et que pourtant, il y a des députés qui sont absents, qui ont refusé, qui ont fait un affront au gouvernement de la signer. Et ça, quand même, il faut le dire. Parce qu'ils considèrent que s'il y a la moindre avancée sur la condition animale, ça va gêner clairement leur petit business, élevage, chasse et compagnie. Donc, il y a quand même des députés qui ont choisi, qui ont refusé de suivre les consignes du gouvernement. Voilà. Alors que sur la condition animale, il y a moins de députés qui font cet affront-là au gouvernement. D'ailleurs, dans ce projet de loi, on n'entend pas parler de la chasse et on n'entend pas parler de l'élevage. De la pêche. N'oublions pas la pêche. De toute façon. Disons le fait que le gouvernement soutienne la proposition de loi qui, pour le coup, vient vraiment des parlementaires, hein, puisqu'il y en avait déjà eu des précédentes déposées donc, par Loïc Dombreval l'été et par Romero-Diaz aussi avant, et par Dimitri Houbron aussi. C'est, en fait, le problème, c'est qu'il y avait ces trois propositions de loi qui existaient, mais que dans le groupe, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur laquelle elle allait être mise à l'ordre du jour. Et le gouvernement avait lui aussi la volonté d'agir sur les cirques, puisque Barbara Pompili a fait ses annonces. Mais du coup, voilà, ils ont dû se mettre d'accord. Et là, c'est là où Christophe Castaner est intervenu en tant que président du groupe parlementaire pour les mettre d'accord sur un texte. Donc forcément, il y a eu des négociations avec le gouvernement pour que le texte
ne traite pas de la chasse et de l'élevage, parce que là, ce serait, disons que ça irait contre leur prise de position. Par contre, sur les questions de captivité des animaux sauvages ou sur les questions d'animaux de compagnie, où là, ils sont assez en faveur du progrès, là, ils sont d'accord. Mais du coup, voilà, disons que c'est à la fois une opportunité, mais avec des contraintes. L'opportunité, c'est que le gouvernement est pour le texte et qu'il le met à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ce qui n'arrive jamais. C'est la première fois qu'un texte généraliste sur la condition animale est mis à l'ordre du jour. Il le met à l'ordre du jour, et, il va être voté, il va être adopté. Et ensuite, on a les garanties qui va être mis à l'ordre du jour du Sénat. Donc, ça ne va pas tomber dans un trou. C'est vraiment quelque chose qui va être fait. Et, mais voilà, après, il y a des conditions, effectivement, qu'on peut critiquer parce que le problème, c'est que s'il y avait eu la chasse et l'élevage dedans, le texte ne serait jamais passé. Alors, je voudrais juste, moi, je suis pas trop d'accord avec un point que tu as dit, Milton, en disant que le gouvernement avait à cœur, en fait, de s'occuper de la question des animaux sauvages captifs. Je suis pas du tout d'accord, puisque, encore une fois, les annonces de Barbara Pompili, elles sont intervenues parce qu'il y avait la proposition de loi de DS à l'ordre du jour. Ça a été une réaction. Ça faisait depuis des mois et des mois qu'on attendait des mesures suite au groupe de travail ministériel initié par, à l'époque, le ministre François de Rugy, et en fait que ça traînait, qui jouait clairement la montre. Donc, ces annonces, elles ne sont pas arrivées parce qu'il y avait de la volonté. Elles sont arrivées parce que c'était une réaction. Enfin, pour moi, c'est important de le dire. Il a bousculé l'agenda politique en déposant sa loi à ce moment-là et en profitant de la niche parlementaire, donc qui est un système à l'Assemblée qui permet pour les groupes minoritaires de déposer une loi et de la mettre à l'ordre du jour. Donc, il a bousculé l'agenda et derrière, les députés LREM, comme les Sierra Romero-Tias, ont poussé Barbara Pompili à faire ces annonces qui étaient prévues, en fait. Elles étaient prévues, c'est juste qu'elles étaient super retardées tout le temps. Et du coup, elle les a faites à ce moment-là. Mais bon, là, maintenant, elle les a faites et disons que ça a été retraduit dans la loi ensuite. Je pense que Milton, quand tu as dit le gouvernement a à cœur de s'occuper de la condition animale, en fait, ça veut dire a à cœur surtout de flatter la partie de son électorat qui a une certaine compassion et un certain intérêt pour les animaux. C'est une démarche qui est électoraliste aussi. Et là, je pense qu'il y a quand même une certaine, je dirais pas inquiétude, mais une ombre quand même du parti animaliste qui est en train de grandir, parce qu'on a quand même eu presque 500 000 électeurs qui ont voté pour le parti animaliste aux européennes. Et bon, plus de 2%, ça commence à faire mal. Et à mon avis, c'est aussi pour ça qu'ils se sont dit, bon ben, comme les gens, ils vont voir, ah bon, on va parler peut-être à la télé, à la radio. Il y a une loi qui est votée pour les animaux, proposée par la majorité. Les gens vont se dire, bon, ben, c'est bon, LREM prend soin finalement des animaux. Donc, ceux qui étaient tentés de vanter LREM, mais peut-être qu'ils se posaient des questions par rapport aux animaux, ils disent, bon, ben, ce problème-là, il est réglé. Voilà, donc, OK, LREM s'occupe des animaux. Donc, c'est bon, on leur donne crédit pour ça. Mais après, quand on va chercher dans les détails de la loi, là, on s'aperçoit que ça tient pas les enjeux, quoi. Donc, je pense pas qu'ils ont à cœur de travailler sur cette question. C'est juste qu'on leur a pas laissé le choix avec tout le mouvement aujourd'hui est tellement fort que les demandes, elles sont tellement fortes. Quand on a vu avec le RIP que chaque mesure qui était proposée, elle faisait plus de 80% dans les sondages, tout le monde était pour. En fait, en France, on est énormément en retard sur la condition animale. Donc, eux, ils ont bien vu ça, au bout d'un moment, ils le voient. Et en fait, là où ils voulaient agir, c'était sur la question des cétacés et des animaux captifs. Là, ils voulaient bien agir parce qu'on les avait poussés aussi depuis des années et des années. Donc, non, après, c'est clair qu'en fait, s'ils ne le font pas, disons que ce serait un peu une impasse, quoi. Ils sont un peu obligés de le faire, quoi. Ils risqueraient de perdre des votes. Ils risqueraient clairement de perdre des votes chez certaines personnes. Oui, non, mais de toute façon, c'est clair que le parti animaliste, en remportant 12 élus au municipal, a joué là-dessus, ça, c'est sûr. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir se radicaliser un peu plus quand on est du parti animaliste? Parce que là, non seulement, finalement, les chasseurs ne sont pas touchés, donc ils vont être flattés. Les gens qui ont de la sensibilité sur la cause des autres animaux vont être aussi satisfaits. Ça veut dire qu'il va falloir se faire entendre davantage, Laurence?
Alors, se faire entendre davantage, eh bien, nous avons bien l'intention de nous faire entendre le 26 janvier, puisque nous serons notamment avec Amandine et avec les militants de Paz et de plein d'autres associations, One Voice, L214, la Fondation Stéphane Lamarre, c'est assez. Voilà, j'en oublie plein. Hein, je m'excuse auprès de ceux que j'ai oubliés, mais enfin, on a une bonne douzaine d'associations qui vont venir aussi avec leurs militants, leurs banderoles et leurs drapeaux pour faire du nombre et un petit peu de bruit devant l'Assemblée. Donc le 26. Donc rendez-vous à 14h, place Édouard Herriot. Les débats commençant à 15h. Comme ça, on espère qu'on sera vu et entendu. On a évidemment prévenu toute la presse par communiqué de presse. Donc, on espère aussi avoir la presse et avoir des retombées médiatiques derrière. Voilà. Alors, au départ, dans une certaine bonne volonté, peut-être naïveté, on avait envisagé ça comme une manifestation de soutien pur, en se disant ah là là, ça y est, les députés vont nous apporter une loi super pour laquelle toutes les associations se battent depuis tant d'années. Et puis, ben, en fait, suite à la commission et à voir les amendements qui ont été rejetés et à voir le texte quand même plutôt maigre de la loi, là, c'est toujours un soutien parce qu'il vaut mieux qu'elle soit votée, il vaut mieux une loi que pas de loi du tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Mais ceci dit, ça ne va pas assez loin. Donc, on va être là pour leur rappeler que les amendements qui vont être rajoutés ou qui ont été soit rajoutés en commission, soit qui vont être rajoutés en plénière, pour qu'ils soient votés. Voilà. Alors, avec le succès, on verra. Mais en tout cas, on sera là et on se fera entendre. Donc, on a mis le visuel, on a pu le voir, donc, qui donne le rendez-vous du 26, et on le rappellera à la fin de ce live. On va maintenant entrer dans le vif du sujet de la loi, si vous voulez bien. On a compris, hein, à vous, auditeurs et auditrices, ils vont se donner la parole mutuellement, ils vont discuter ensemble, ce live est une discussion. On va commencer par chapitre numéro 1 qui est traite de l'amélioration des conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés. J'ai presque envie de poser la question tout d'abord à Amandine. J'ai l'impression, moi, que cette loi est volontairement réductrice. Oui, je suis d'accord. Ben, en fait, le titre, c'est sur les animaux de compagnie et les équidés. Donc déjà, ça montre bien que les équidés ne sont pas des animaux de compagnie. Donc déjà, alors il y a deux articles sur les équidés, on va y revenir, mais clairement, on peut le dire, je pense, pour ne pas réserver de surprise, c'est qu'ils sont complètement dans l'intérêt des propriétaires et pas du tout des équidés. Que la demande de beaucoup d'associations, c'est vraiment que les équidés rentrent dans les animaux de compagnie pour en finir avec le fait qu'ils sont envoyés à l'abattoir. Alors nous, on l'a proposé et certaines personnes, élues, nous ont dit que ça engendrerait trop d'impact. Voilà ce qu'on nous a dit. Donc ça, on le regrette. Et puis après, sur les animaux de compagnie, clairement, c'est plutôt sur la question des chats et des chiens. Et il y a un vide intersidéral sur la question des poissons de compagnie, sur la question des oiseaux de compagnie. Là aussi, on a fait des propositions parce qu'on a été auditionnés par les rapporteurs, mais aussi par d'autres députés. On a fait des propositions d'amendements qui n'étaient pas non plus extrêmement révolutionnaires, mais ça n'a pas du tout ça n'a pas intéressé en tous les cas. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que, et ce que l'on regrette, c'est que cette proposition de loi, en fait, elle est en retard sur les attentes. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ambitieuse. Enfin, moi, ce que j'attends des parlementaires, c'est d'être un peu en avance par rapport à la population. Et cette proposition de loi, par exemple, elle aurait été une révolution il y a 3-4 ans. Mais aujourd'hui, en fait, elle est juste normale et je dirais pas du tout assez à la hauteur des attentes. Par exemple, ce qui aurait été intéressant, enfin, on y reviendra, mais sur la question des cirques, là, il n'y a pas du tout les animaux de compagnie. On ne parle que des animaux sauvages, alors que cette réflexion, elle est déjà acquise dans la population. Donc, mais bon, commençons par le chapitre premier, peut-être. Dans ce premier chapitre, il y a une douzaine de propositions, enfin d'articles, pardon, notamment un certificat de connaissance. Alors, donc pour l'adoption d'un animal de compagnie ou d'un équidé. Ce certificat de connaissance, le texte, on ne le connaît pas, il sera ensuite précisé par décret. Ce certificat serait passable sur Internet.
Mais ce n'est en aucun cas un permis de détention, quoi. Enfin, voilà, c'est pas comme un permis de conduire, mais voilà, ce serait un certificat de connaissance. Alors, avec quelques textes, je sais pas, un QCM, j'imagine. Je pense que ce qui va être surtout mis en avant, c'est peut-être pour éviter les abandons, l'argent que peut coûter un animal pour que les gens se rendent compte que c'est pas gratuit un animal et qu'une fois qu'il est acheté, il coûte encore de l'argent. Et puis des choses basiques d'éthologie, j'imagine, hein, je sais pas, puisque ça doit être un décret. Mais bon, déjà, c'est pas très très contraignant, bon, même si ça l'est quand même plus que s'il y avait rien du tout. C'est quand même pas, hein, c'est pas très méchant comme examen, je pense. Et puis, par exemple, il y a eu un autre amendement tout bête qui était de faire ce certificat de connaissance même quand il s'agit d'un don et non pas d'un achat. Et ben, par exemple, cet amendement qui est vraiment, c'est tout bête, hein, c'était juste en cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit, et ben, cet amendement a été rejeté. Voilà. Donc, il y a des tas de choses comme ça. Je trouve non, que les... Laurence, pardon. Non, je crois que tu fais une petite erreur. En fait, justement, l'amendement sur le fait que un animal donc de compagnie est soit à titre onéreux ou gratuit, donc on va dire adopté. Et accepté. Voilà, ça a été adopté en commission des affaires économiques. Hein, mais en effet, ça n'était pas dans la version initiale. D'accord, ok. Là, il y a plutôt élargissement. Alors là, il y a élargissement, effectivement. Donc, je m'excuse auprès des auditeurs et des auditrices. Ah, mais en fait, juste ce qu'il faut préciser, c'est que il y a la version initiale qui a été déposée. Voilà. Il y a la deuxième version après la commission affaires économiques. Après la commission. Et il va y avoir encore une version en première lecture. Ce que je veux dire, c'est qu'on est sur quelque chose de mouvant. Hein, il faut bien le voir. Et la question, c'est est-ce qu'in fine, on aura une version qui est plus pauvre que celle qu'on a là? Est-ce qu'elle sera meilleure? Voilà, et ça, on ne peut pas trop le dire. Donc là, la remarque de Laurence, elle est pertinente, parce que peut-être qu'au Sénat, ils vont enlever... Ça passera pas. Là, on ne sait pas. Voilà. Mais est-ce que ça peut encore... je pose la question à Hamilton. Est-ce que ça peut encore évoluer, du coup, là, Hamilton? Parce qu'il va y avoir donc cette manifestation le 26. Est-ce qu'on peut encore élargir et nourrir encore cette loi, ou est-ce que c'est peine perdue? On va travailler avec une voie qui va durer encore 10 ans. Ouais. On a consulté les associations qui font partie de vos agences au niveau politique et on leur a demandé ce qu'elles voulaient insérer comme amendement. Et là, c'est vrai qu'il y a deux choses qui manquent, en particulier sur les animaux de compagnie, c'est la question de la liste positive, une demande qui est portée par l'association Code Animal. C'est l'idée que pour les nouveaux animaux de compagnie, donc tout ce qui est reptiles, amphibiens, tout ce qui n'est pas trop chien-chat, voilà, tout ce qui est un peu hors du commun, là, c'est pas du tout réglementé. Et en fait, ce que Code Animal voudrait faire, c'est une liste où on autorise certains animaux et tous ceux qui ne figurent pas sur cette liste sont par défaut exclus de l'autorisation de détention. Aujourd'hui, on a une liste de tous les animaux de compagnie, on a une liste de plein d'animaux qui sont autorisés, mais du coup, tous ceux qui n'y figurent pas, c'est l'inverse. On a une liste d'interdits, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas, il y a toujours des nouvelles modes et suite à n'importe quel clip ou quoi, on va avoir des gens qui vont s'intéresser pour un animal sauvage et le faire ramener sur le territoire. Et ça pose plein de dangers, en plus, même pour l'environnement, parce que s'il est abandonné dans l'environnement, imaginez un serpent venimeux, je ne sais pas, peu importe. Mais, voilà, il faut réguler là-dessus. Il y a là-dessus qu'on va amender le texte. Et on espère que ça passe. Et il y a sur la question de la vente en ligne et la vente en animalerie aussi, où là, on sait qu'il y a Loïc Dombeauval qui était déjà en faveur de ça, donc c'est un député qui a fait une proposition là-dessus. Mais là, sur la première version, ça n'était pas, et en commission, ça n'est pas passé. Donc, ils ont dit qu'ils allaient le remettre dedans, qu'ils allaient essayer de le remettre dedans. Donc, on espère que la vente en ligne soit plus encadrée, parce qu'aujourd'hui, sur le bon coin, on peut trouver une petite annonce pour un animal sans savoir vraiment, sans avoir beaucoup d'informations, et du coup, le propriétaire peut se retrouver déçu par l'animal et essayer de l'abandonner. En fait, c'est toutes ces mesures-là contre l'achat coup de cœur. Voilà, la vente en animalerie, c'est pareil, coup de cœur. La personne voit un petit chiot mignon et puis un an après, le chien est énorme et s'en occupe, quoi. Mais bon, il y a quand même des avancées. Il y a quelques avancées sur la question de l'abandon, sur la question de l'identification des animaux aussi, pour que une fois qu'ils seront abandonnés, ils soient quand même retrouvés. Mais voilà, nous, on veut vraiment qu'il soit amendé, qu'il soit plus ambitieux.
Alors, sur la question de l'abandon et de retrouver les animaux, il y a eu une extension de ce genre des contrôles pour l'identification des animaux par la police municipale et les gardes champêtres. Waouh, franchement. Par contre, il y avait un amendement qui proposait que les gens qui, enfin, que les gens assermentés, que ce soit donc la police municipale, les gardes champêtres ou autres, redonnent l'animal directement à leur propriétaire sans passer par la case fourrière. Ça, pareil, c'est quand même un détail. Apparemment, moi, dans mes notes, j'ai vu que ça avait été rejeté. Non, ça n'a pas été rejeté. Comment ? Ça n'a pas été rejeté, hein, il me semble. Ah, mais moi je l'ai pas dans mes amendements, donc. Mais je suis toujours sur la première version. Moi j'ai vu que ça avait. Ça a beaucoup changé depuis la première version. Non, mais moi j'ai vu là sur sur la liste des amendements, je l'ai vu en rejeté, moi. Ah d'accord. Mais bon. En même temps. Ensuite. Oui, il y avait également, comme on parlait des abandons, il y a un amendement sur les fourrières. Alors, comme quoi elles doivent fournir des conditions de bien-être animal dans les fourrières. Quand on pense que ça, c'est un amendement, donc ça veut dire que c'était pas le cas avant, ça fait quand même froid dans le dos. Quant à l'état des fourrières, et que les gestionnaires de fourrières doivent maintenant, donc ça c'est aussi un amendement qui a été accepté, les gestionnaires doivent être formés au bien-être animal. Donc ça veut dire qu'avant ils ne l'étaient pas non plus, donc c'est pareil, ça fait froid dans le dos. Et par contre, l'amendement qui proposait un délai pour récupérer son chat ou son chien à la fourrière, que le délai passe de 8 à 15 jours, et ben ça a été rejeté. Ouais. Voilà, pourquoi ça. Enfin, ça, c'est des choses qui me laissent assez dubitative sur le pourquoi et le comment de l'acceptation ou du refus ou du rejet de certains amendements. Je trouve que c'est pas logique. C'est pas. Je trouve que déjà, donc, la loi ne va pas très loin. Et quand il y a des amendements qui proposent un petit pas de plus, ce pas était important en quoi, Laurence, si on allait dans le. Permettre aux gens, tout simplement, parce qu'en fait, les gens n'ont pas forcément le réflexe de se dire, bon, ben, j'ai perdu mon chat et mon chien, alors on va mettre des affiches partout dans le quartier ou dans le village ou dans la ville. Ils pensent pas aller dans la fourrière. Non, c'est pas un réflexe. Et si au bout de 8 jours, oui. Alors, pas forcément euthanasié, il est d'abord placé éventuellement en refuge s'il trouve un refuge à proximité et qu'ils veulent bien le prendre. Parce que le refuge n'est pas encore saturé. Donc, l'animal a la chance, la possibilité d'être mis en refuge. Mais si la fourrière ne trouve pas suffisamment vite un endroit où elle pourra le mettre à l'adoption dans un refuge, il est effectivement euthanasié. Alors, je regardais ce que tu me disais par rapport à l'identification. J'ai bien vérifié. Et, effectivement, quand l'animal est identifié, la fourrière cherche le propriétaire. Voilà. Et, enfin, la police cherche le propriétaire et le rend sans passer par la fourrière. Donc ça, c'est passé, par contre. Donc c'est actuellement quand il est identifié. Oui, quand il est identifié. S'il n'est pas identifié, on peut pas. On peut pas retrouver le propriétaire, forcément. Ok. Après, pour moi, l'amendement le plus important, qui a le plus d'impact sur le plus d'animaux, c'est le fait que les maires maintenant doivent, alors. Non pas doivent procéder, mais procèdent, selon l'amendement, puisque la rédaction précédemment, c'était les maires peuvent procéder à la capture et à la stérilisation des chats sur leur commune. Et là, on n'est pas des chats libres sur leur commune. Et là, on est passé à procède. Donc, ce qui les obligerait. Il y a un député qui a proposé l'amendement « doit procéder ». Mais cet amendement-là n'est pas passé non plus. Donc, on est resté sur la rédaction de Dombreval, qui est « les maires procèdent à la capture et la stérilisation ». Donc ça, je pense que c'est l'amendement le plus important pour les animaux domestiques, enfin pour les animaux de compagnie, même si les chats libres ne sont pas forcément domestiqués. Mais voilà, pour moi, c'est le seul vraiment amendement qui tient la route. Le reste, c'est sûr, c'est des mieux, mais il n'y a pas de quoi
c'est pas une révolution, quoi. Amandine, ouais, d'accord avec ça? Oui, je suis assez d'accord avec Laurence. En fait, ce chapitre, il ne s'attaque pas au cœur du sujet, qui est, nous, on le demande et qui est radical, hein, mais ce qu'il faudrait, c'est l'interdiction de la marchandisation des animaux de compagnie, qu'on arrête de les considérer comme des objets à vendre ou à acheter. Et c'est ça, en fait, le cœur. Donc déjà, à minima, ce qui aurait pu, c'est l'interdiction dans les magasins non spécialisés, comme dans les jardineries, hein, où on vend... un poisson entre du terreau et des engrais. Ça, c'est un minima. Donc, ça a été rejeté. Et puis après, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait plus du tout de vente. Hein, donc, nulle part, que ce soit dans les élevages, dans les animaleries. Mais l'impact, c'est bien sûr la fin de l'élevage d'animaux de compagnie. Il est là, le sujet, le cœur du sujet. En fait, c'est là que le gouvernement ne veut pas s'attaquer. En fait, ouais, c'est... On prend la question de l'abandon par la fin. C'est-à-dire, on pénalise ceux qui abandonnent. On stérilise les chats libres, mais en fait, le cœur, il est en amont. On les fait se reproduire massivement et on les vend comme des objets. Donc, mais de toute façon, clairement, les députés ont rejeté à chaque fois les amendements qui impliquaient de l'argent. Donc, voilà. Donc, ne pas s'attaquer aux animaleries, ne pas s'attaquer au commerce. Donc, cette loi ne touche pas au business qui fait de chacun des autres animaux un objet, en fait. Et moi, j'avais repéré ça hein, dans cette loi. La précédente proposition de loi avait été clairement nourrie de la connaissance des autres animaux, vous l'avez rappelé, traitant de leurs droits en tant qu'êtres doués de sensibilité et d'émotion, capables de communication même et d'entraide. Ça faisait partie du prélude de la loi. Et là, cette nouvelle proposition, dans le fond, elle ne s'occupe finalement que du devoir humain. Donc, elle remplace le droit des animaux par le devoir des humains. Donc, c'est encore complètement anthropocentré, cette histoire. Et ça place au centre la sanction. Est-ce que ça veut dire à ce point que, comment dire, on ne peut pas agir et faire entendre que les animaux, les autres animaux sont d'autres animaux, des animaux non humains? Pardon, vas-y, Laurent. Vas-y, Amandine. Non, mais moi, je suis complètement d'accord avec ton analyse. Ça montre bien, en fait, la vision qu'a les députés, le gouvernement des animaux, en fait. Et qu'en fait, là, ils sont quand même remis à leur rang d'inférieur et qu'en en fait, on a juste le devoir, point final. Mais c'est pour ça que la bataille est culturelle. C'est pour ça que, c'est pour ça qu'on a tous et tous un rôle fondamental de changer les représentations qu'on a des animaux. Et en effet, l'exposé des motifs de Cédric Villani, c'est là où il était complètement différent. Et même, on l'a vu, en commission des affaires économiques. Enfin, voilà, il parlait de Peter Singer, il parlait de Zoopolis, il parlait de plein d'ouvrages, en fait. Et que la réflexion n'est pas du tout la même. Et là, en fait, on est sur... on réglemente. On ne change pas le système, on le réglemente. C'est ça. Et c'est ça, la limite. Mais la différence, c'est que Cédric Villani, effectivement, je pense, est vraiment un animaliste et quelqu'un d'extrêmement, évidemment, intelligent, cultivé, et pas seulement en maths. Visiblement, il a lu aussi beaucoup d'ouvrages philosophiques et sociologiques, et il a passé un cap. De considérer les animaux comme des individus sensibles et pas simplement donner cette possibilité aux humains. Le problème, c'est que, évidemment, les députés, Cédric Villani, c'est l'exception qui confirme la règle. Je ne pense pas qu'il y ait... Alors, peut-être Bastien Lachaud. Voilà, peut-être, bon. On pourrait quand même citer les députés qui ont été des fervents défenseurs de la cause animale en commission des affaires économiques. Donc, il y avait quand même Vincent Ledoux. Est-ce que Vincent Ledoux en est là dans sa réflexion? Est-ce qu'il en est au niveau de Cédric Villani? Ah bah tant mieux, tant mieux. Enfin, moi j'en suis certaine. Dimitri Houbron aussi. Il y avait également Mathieu Orphelin qui s'est battu pour qu'il y ait d'autres sujets qui soient dans la proposition de loi et qui n'a pas réussi. Voilà, et puis après il y avait des députés plus discrets de la majorité, mais comme Tiffany De Guay je m'en souviens plus son prénom, mais Anne-Laurence Pétel, je crois. Prénom. Mais il y a d'autres aussi. Je pense que franchement, sur ce sujet. De manière générale, sont très convaincus par la cause animale et ils ont poussé en fait, le gouvernement à ce qu'elle soit mise à l'ordre du jour. Donc Loïc Dombreval, qui est vétérinaire d'origine, et Pierre Romero Diaz, qui a déposé cette loi cet été et qui a travaillé, qui a poussé en interne pour que ce soit remise à l'ordre du jour.
ce sont aussi des députés très convaincus. Et voilà, alors Cédric Villani aussi fait partie de ces députés les plus actifs. Et c'est vrai qu'il pousse lui aussi le débat. Et là, il a un rôle d'amendement. Enfin, il fait beaucoup d'amendements et il a aussi un très grand rôle dans cette PPL, même s'il n'en est pas rapporteur. Mais les rapporteurs de cette loi aussi sont très convaincus. Oui, mais je pense qu'il y a une différence entre être sincèrement convaincu par le fait qu'il ne faut pas maltraiter les animaux et essayer de les protéger au maximum, comme un vétérinaire devrait le faire, donc, comme dans le cas de Loïc Dombreval, et puis d'être vraiment, d'avoir l'état d'esprit animaliste, parce que là je crois que c'est carrément un changement d'angle de vue. Non, mais Cédric Villani l'est hein, visiblement, et puis bon, je citais Bastien Lachaud et d'autres députés, Oubron voilà. En fait, pour rejoindre ce que dit Laurence, moi ce que je dirais c'est que bon, il y a des députés qui sont convaincus, je pense qu'on ne peut pas le nier, mais il y en a qui vont au front. C'est pas les mêmes, voilà. Enfin, je veux dire, c'est tous ceux qui sont convaincus ne vont pas au front et mènent pas la bataille, voilà. Et Cédric Villani, Orphelin, Lachaud, eux, ils osent, voilà. Et je pense que Loïc Dombreval, il a baissé les armes sur certains sujets qu'il a complètement lâché. Je l'assume, je le dis, voilà. Donc, et après, je comprends que quand on est dans une majorité, enfin voilà, il y en a qui osent pas et on le regrette, et il y en a qui continuent et qui se battent pour qu'il y ait des sujets qui passent vraiment. Pour nous, parce ce qui fait plaisir, c'est que c'est quand même les plus jeunes. Depuis trois ans ils ont été jusqu'au bout du travail, c'est-à-dire que on rencontre énormément de députés, on en rencontre beaucoup qui nous disent qu'ils veulent faire des choses et qui les font pas forcément, beaucoup qui font des choses mais qui font pas beaucoup, et eux c'était parmi les plus engagés quand même hein. Donc je pense qu'il faut quand même leur donner ça. Est-ce que ça veut dire que tous les interlocuteurs se valent, tous et toutes les interlocutrices se valent? Ou est-ce qu'il faut tisser des liens avec ceux qui sont au plus près, finalement, des intérêts des autres animaux, ou oser parfois aller vers des gens qui sont... C'est pas leur premier cheval de bataille, pardon d'utiliser cette expression très spéciste pour le coup, mais voilà, est-ce que tout le monde se vaut dans les interlocutrices que l'on rencontre? Alors, moi, je dirais que tout le monde se vaut, enfin, tout le monde vaut un débat sur la question, évidemment... Premièrement, les gens qui ont déjà une sensibilité sur la question, mais aussi stratégiquement parlant, c'est intéressant de s'adresser. Ben nous, on a beaucoup pris rendez-vous avec les députés de la majorité, parce que c'est eux aujourd'hui qui ont le pouvoir à l'Assemblée. Donc, si on veut que les choses changent, on est obligé de passer par eux. Donc là, c'est vrai que ça a permis de faire avancer les choses en s'adressant à la majorité. Donc, mais ça ne veut pas dire que comment dire, pour répondre à ta question, je pense que c'est pas qu'ils valent plus que les autres ou que les autres valent moins, mais c'est juste que stratégiquement, si on veut qu'il y ait des choix qui aillent jusqu'au bout, on est obligé de passer par la majorité. Enfin, en tout cas, on est obligé de l'inclure. Mais Milton, on est bien d'accord. Quand tu vois Amandine ou Laurence demander plus, elles sont aussi dans leur jeu. Hein, elles sont pour le coup pas que dans le lobbying. On est bien d'accord. Donc c'est normal qu'elles demandent un peu plus. Mais totalement. Notre rôle, il est justement de demander beaucoup plus en fait. Enfin, je veux dire, si nous associations, nos objectifs, on les revoit à la baisse. Je veux dire, on sert à quoi? Donc, ceux qui revoient la baisse, c'est ceux qui gouvernent, en fait. Donc, nous, on est là pour exiger le plus haut. Et parce que, rappelons-le, il y a des millions d'animaux qui sont dans des conditions atroces, qui meurent, etc. Donc, c'est ça, quand même, l'enjeu. Et sur est-ce que tout le monde se vaut, nous, en tout cas, on rencontre énormément d'élus, donc, que ce soit municipaux, que ce soit parlementaires aussi, ou dans les ministères et tout. Ce que je dirais, c'est que moi, ce qui m'intéresse stratégiquement et pour arriver à l'objectif, ce n'est pas forcément qu'ils soient convaincus ou qu'ils connaissent à fond le sujet ou qu'ils aient lu 50 livres. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient motivés et qu'ils osent mener la bataille, en fait. Et nous, on a rencontré des élus qui, au début, ne connaissaient rien, qui étaient ouverts, qui ont pris le temps de comprendre et qui, aujourd'hui, sont de véritables alliés parce que, en fait, ils ont un caractère de battant, je dirais. Mmh. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que je nuancerai un peu ce qu'a dit Milton sur le fait de dire la majorité, c'est important.
Oui et non, parce qu'en effet, c'est eux qui décident, mais je peux citer plein d'exemples avec l'opposition qui a fait bouger les lignes. Cédric Villani, il n'était pas... Voilà, exactement. Moi, je peux donner aussi l'exemple au Conseil de Paris où Danielle Simonet, elle était seule contre tous. Ben, finalement, on a réussi à avoir des choses qui sont adoptées à l'unanimité à la fin. Donc, l'opposition peut avoir un rôle aussi majeur. Mais bien sûr que la majorité... Dans tous les cas, il faut s'adresser à tout le monde. Je veux dire, tout à fait. Enfin, on ne peut pas juste se contenter de quelques députés. Non, ah, mais complètement. Large, on vise large, c'est un travail profond. Mais clairement, et pour compléter ce que je dis, enfin, je pense que... non, je me suis perdu, j'ai oublié ce que je voulais dire. En fait. Voilà. Est-ce que nos personnalités et vos personnalités font la différence dans la capacité à aller convaincre tous ces hommes et femmes politiques? La même stratégie. C'est des relations humaines aussi. Hein. Donc forcément, nous, avec des élus, ça ne passe pas du tout. Il y en a avec qui ça passe très, très, très bien. Enfin, avec qui on a des relations exceptionnelles, d'autres. Donc les relations humaines, elles sont au cœur, surtout quand on a des personnalités fortes. Voilà, enfin... nous, notre stratégie, elle est de bousculer. Donc, forcément, il y en a avec qui ça ne passe pas. Nous, on ose dire quand il y a des élus qui n'agissent pas. Enfin, par exemple, quand Loïc Dombreval, il a siégé 3 réunions en commission sur la question des cirques au ministère, alors que c'était le seul député à être invité, ben, on l'a dit. Voilà, ça ne lui a pas plu. Mais nous, on n'est pas là pour faire plaisir, en fait. Et donc, on essaye aussi d'être juste. Voilà, c'est vraiment... Et d'être objectif avec tous les élus et de dire quand ça va dans le bon sens et quand ça va dans le mauvais sens. Et voilà, et c'est pas un rôle évident, mais on essaie de tenir cette ligne-là. Ça commence à monter la pression avec les questions. Il y a quelqu'un qui visiblement a écrit fort là. Donc rien sur le broyage des poussins, castration à vie des porcelets. Alors ça, on va le voir après dans le. Ben non, on va pas le voir d'ailleurs parce qu'il y a pas de chapitre à cette loi pour les élevages ni pour la chasse. Comme je veux dire, les sujets sur lesquels il n'y a rien. Vas-y, Laurence. Ouais, comme je disais tout à l'heure, dans les sujets qui nous occupent, donc les animaux domestiques, les cirques et les visons, tout ce qui concerne le business, l'argent, le commerce a été retiré ou refusé. Et évidemment, l'élevage, bah, c'est des millions, des milliards de chiffres d'affaires. Donc ça, c'est pour ça que ça a été complètement retiré. Quant à la chasse, bah, c'est aussi énormément d'argent. Alors, j'ai pas de chiffres en tête, mais faut voir que la chasse, pourquoi ils sont si puissants, c'est parce que derrière le lobby des chasseurs, parce qu'on se dit... il y a 800 000 chasseurs, certes, c'est bon, c'est un petit peu quand même, ça fait une certaine foule, mais on se dit, bon, ces gens qui vont chasser, qui vont dans les bois avec leurs bottes en caoutchouc, mais quelle importance ils ont? Ben, leur importance, c'est que derrière eux, il y a le lobby des armes. Voilà, et que le gouvernement veut pas se mettre à dos ce lobby-là, quoi. Et quant au lobby agricole, j'ai l'impression que c'est le lobby le plus fort de France, quoi. C'est la FNSEA hein, qui siège au ministère de l'Agriculture. Hein. Julien de Normandie, c'est comme je sais plus comment il s'appelle, là, le marionnettiste avec son singe, là. Hein. C'est la même chose. Hein. Derrière, Panacloc, c'est ça. Ben, c'est la FNSEA qui met ses mots dans la bouche de Normandie et de Normandie et des autres. Hein. Ok. On a un petit problème technique, donc on va rester sur vous. Vous continuez à parler. On va remettre de la batterie pour que l'animateur soit de temps en temps visible. Je voudrais juste rappeler donc tous les sujets qui sont complètement absents de cette proposition de loi. Donc donc comme l'a dit Laurence, donc il y a l'élevage, il y a aussi les abattoirs. La chasse a été dit, il y a la pêche aussi, on n'en parle pas assez, mais que ce soit la pêche de loisir ou la pêche professionnelle qui est totalement occultée. Il y a aussi la question de la corrida qui a été totalement occultée. Sur la question de la fourrure, on y reviendra, mais ça concerne que les visons. Donc il n'y a rien sur la commercialisation aussi, donc c'est que sur l'élevage. Il n'y a rien sur l'expérimentation animale. Je voudrais quand même redire les propos d'Olivier Falorni en commission des affaires économiques qui s'était battu pour la vidéosurveillance obligatoire dans les abattoirs, qui a souligné, donc je précise que ça avait été adopté hein, à l'Assemblée nationale sous le mandat précédent, mais pas jusqu'au bout, et en fait Emmanuel Macron s'était engagé et Olivier Falorni l'a souligné en commission des affaires économiques en disant que finalement ça a été un engagement qui n'est pas tenu.
Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans cette proposition de loi. En fait, quand on regarde tout ce que subissent les animaux dans notre société, de façon globale, en fait, ben, clairement, enfin, pour répondre à la problématique de cette conférence, les avancées sont extrêmement timides quand on voit la globalité et l'océan de souffrance. Mais quand on voit aussi ce qu'il y avait jusqu'à présent dans l'espace politique, c'est-à-dire à peu près le néant, qu'il y avait, comme l'avait dit Milton, aucune proposition de loi mise à l'ordre du jour par la majorité gouvernementale. Mmh. On se dit quand même que c'est quelque chose d'historique qui est en train de se passer. Mais encore une fois, c'est très en deçà de ce qu'il faudrait pour, dans l'intérêt des animaux. Alors, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et c'est vrai que nous, on est déçus qu'il n'y ait pas tous ces sujets-là qui soient traités, la chasse, l'élevage notamment. Mais aussi, il faut comprendre que là, on agit dans un cadre institutionnel et ça n'a rien à voir avec le reste des cadres sur lesquels on pourrait agir. Même politiquement, le Parti Animaliste peut se permettre de proposer des choses sur ces sujets-là, des choses radicales. Mais là, à l'Assemblée nationale, le problème, c'est qu'on pourrait proposer une loi comme ça. Mais ça ne passera pas. Alors, un point important quand même, c'est que quand on dit on ne pourrait pas le proposer, mais enfin, juste regardons les études d'opinion. Enfin, combien de personnes veulent l'abolition de l'élevage intensif? En fait, on est à plus de 80%. Combien de personnes veulent l'abolition de la chasse à courre? Donc, en fait, là on a l'exemple typique et emblématique qu'on a des parlementaires qui ne représentent pas la population, qui sont des porte-parole des lobbies. Et ça, c'est juste inacceptable. Donc, une telle proposition de loi, donc celle de Cédric Villani, qui est celle du référendum pour les animaux, hein, avec des sujets qui peuvent faire débat, mais en fait qui sont consensuels aujourd'hui en France, elle devrait être à l'ordre du jour et elle devrait être passée si on avait des élus qui représentaient la population française. Mais aujourd'hui, sur ces questions-là, il n'y a pas de réelle représentation. On a fait déposer des propositions de loi sur la chasse à courre, sur un jour dans la semaine sans chasse. Enfin, il y a eu plusieurs propositions de loi comme ça sur le quinquennat, en fait. Il y en a eu plusieurs qui ont été déposées là-dessus. Mais elles ne sont pas mises à l'ordre du jour, en fait. Donc, déposer des lois, en soi, c'est possible. Le problème, c'est la mise à l'ordre du jour. Et là, c'est le gouvernement qui a le pouvoir. Donc, le Parlement aussi, en théorie, à moitié. Mais bon, comme le Parlement est la majorité au gouvernement, c'est un seul et même pouvoir qui décide de ce qui est mis à l'ordre du jour. Donc, forcément, là-dessus, on sait qu'on n'avancera pas sur le plan législatif. Donc, le soupçon de protection. Pour en parler. Pardon. Donc, le soupçon de protection du business et finalement de suivre les lobbies est complètement valide là, on est bien d'accord? Ah, carrément, carrément. Bah oui, les députés sont les petits, les représentants des lobbies et pas les représentants du peuple. Alors, à quelques exceptions près. Hein, sur l'élevage et la chasse, mais par contre, voilà, parce que c'est aussi un gros lobby et qui monte beaucoup d'argent, les delphinariums aussi. Et l'élevage de visons, c'est aussi une activité économique. C'est pour ça que cette loi, elle a été examinée en commission des affaires économiques. Donc, il y a bien des enjeux d'argent qui sont peut-être moins organisés que le lobby de la chasse ou le lobby de l'élevage, mais il y a bien ça quand même. Mais clairement, c'est clair que le lobby de l'élevage et de la chasse, c'est ce qui fait que cette loi serait clivante s'il y avait des propositions là-dessus. La liste des questions commence à augmenter. Juste pour illustrer ce qu'on dit, je voudrais citer dans Libération, si je ne me trompe pas, c'est Christophe Castaner qui a osé dire cette phrase qui me révolte au plus haut point, qui a osé dire qu'il ne fallait pas mettre la chasse et l'élevage dans ce texte, parce qu'autrement, on serait au bord de la guerre civile. Donc, ce type d'élément de langage, en fait, c'est scandaleux parce que ça tend à montrer qu'en fait, on est à 50-50. Mais non, pas du tout, pas du tout. Enfin, le Parti Animaliste a fait des scores très élevés dans les zones rurales aux européennes. Enfin, il faut arrêter justement ce fait de dire que c'est d'ailleurs les citadins contre les ruraux. Non, aujourd'hui, on fait un référendum sur la chasse à courre, sur l'élevage intensif, c'est fini, quoi. C'est fini du jour au lendemain. Donc voilà, cet élément de langage, on voit qu'il est vraiment porté par les lobbies. Le problème, juste une petite aparté, quand tu dis effectivement 80% des Français sont contre l'élevage intensif, je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf que je pense que quand ils répondent ça, ils n'ont pas compris que ça veut dire que s'ils ne mangent que de la viande, entre guillemets, bio, ça veut dire qu'ils doivent descendre leur consommation de viande de 80%. Donc, je pense que s'ils cherchaient les conséquences sur leur régime alimentaire quotidien de leur réponse au sondage, peut-être qu'ils se poseraient deux fois la question avant de répondre qu'ils sont contre l'élevage intensif. Je vous propose une réaction tout de suite parmi les questions. Justement, ça va un peu dans ce sens.
quelqu'un nous dit, juste démagogique, les chats, les chiens, ça parle aux citoyens lambda, le reste, on continue à bouffer des cadavres. Je vous dis vraiment sans aucun filtre cette phrase. Je vois que ça te fait réagir, Milton. La question des chiens et des chats, c'est pas du tout un sujet clivant et c'est normal qu'on avance là-dessus, mais le truc, c'est qu'on est obligé d'avancer là-dessus. C'est-à-dire que là, on a tellement de retard en France que si on n'avançait pas là-dessus, il ne se passerait rien. Donc là, on nous propose d'avancer là-dessus et on nous donne des conditions pour le faire. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas non plus se mettre dans la position où on voudrait tout passer d'un coup, quitte à tout perdre. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a la chance d'avancer sur ces sujets-là, les animaux de compagnie, les animaux sauvages captifs. Il faut la prendre, en fait. Il faut la saisir, cette opportunité, même si il faut continuer à dire qu'il faut des actions sur la chasse, il faut des actions sur l'élevage, sur l'expérimentation animale. Et ça, on continuera d'agir d'autres manières. Mais par contre, cette loi, elle est nécessaire aujourd'hui. Ok. J'ai une petite question quant au terme qu'on emploie justement dans ce texte de loi. Et c'est intéressant. Ne pensez-vous pas que le terme procède, donc on parle là pour le coup des mères, hein, qui, et en particulier donc, la castration, si je ne m'abuse, hein, si c'est tu, Laurence, hein, tu confirmes ? Oui. Ok. Oui. Reste évasif. Donc le terme procède resterait évasif. Alors ça a bougé en même temps, donc du coup, il faut que je la retrouve. Voilà. Et qu'un juge pourra conclure qu'il n'y a pas ici obligation pour le maire de stériliser. Ouais. Il y a Vincent Ledoux justement qui avait proposé un amendement, donc c'est lui qui avait dit « doit procéder ». Et Dombreval a voulu rester sur sa formulation qui était « procède ». Alors maintenant, je ne suis pas juriste, s'il y en a qui nous écoutent, ils peuvent nous répondre. Est-ce que « procède » est attaquable ? Je ne sais pas. Et nous, on a posé la question justement à des juristes. Et, parce que nous, les demandes de nos associations, c'est de mettre le mot « doit ». On a envoyé une proposition d'amendement à plein de députés et l'a déposé. Nous, on pense qu'avec « doit », il n'y a aucune ambiguïté. Le maire doit stériliser les chats errants, mais procède, il reste une ambiguïté. C'est-à-dire que, en théorie, il est censé le faire, mais est-ce que dans la pratique, ça va être fait ? Est-ce que ça sera contrôlé ? Là, il faudra que les associations se mobilisent derrière, quoi. Alors justement, en termes de mobilisation, visiblement, vous êtes en train de chauffer les esprits, hein, vous trois, puisque quelqu'un dit « Bonjour, à quand une manifestation parisienne pour montrer notre force ? Ça devient plus qu'urgent pour notre visibilité. » Et là, on répond bien sûr « mardi 26, au pied de l'Assemblée nationale, et là, vous ferez entendre. » Voilà. Là, c'est Edouard Herriot. Pour ceux qui peuvent se libérer à 14h, étant donné que c'est en semaine, c'est un petit peu compliqué, mais on colle à l'agenda de l'Assemblée, donc on n'a pas choisi. Vous faites bien, c'est le premier jour en plus, donc c'est essentiel. On va passer au chapitre 2, si vous voulez bien. Renforcer les sanctions dans la lutte contre la maltraitance des animaux domestiques. Alors, quand on parle d'animaux domestiques, dont des autres animaux dits domestiques, on entend quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une hiérarchie entre les animaux, du coup ? Oui, totalement. En fait, les animaux domestiques, en fait, ils sont définis par un arrêté. Donc, c'est l'arrêté de août 2006, je ne m'en souviens plus la date, qui définit une liste, en fait. Mais globalement, c'est les animaux qui sont élevés et qui sont achetés, vendus. Donc, il y a les animaux de compagnie, il y a les animaux d'élevage, enfin voilà, tous ces animaux-là. Et donc là, en effet, ici, c'est sur l'échelle des peines, en fait. Donc, il y a une augmentation de la peine quand on tue un animal, donc qui est augmentée. Et par contre, moi, là où je me suis vraiment interrogée, c'est que cette peine, en fait, elle est inférieure à la peine qui est pour zoopornographie, donc c'est-à-dire ou même pour zoophilie. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'agresser sexuellement un animal, on encourt une peine supérieure au fait de tuer un animal. Et donc ça, je m'étonne parce que pour les humains, en tout cas, ce n'est pas du tout dans cet ordre-là, c'est-à-dire que violer sur l'échelle des peines hein, est inférieur au fait de tuer. Donc voilà, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Je pense que c'est dû aux amendements qui ont été adoptés pendant la commission et ça va être rectifié. En tout cas, nous, on a demandé à ce que ce soit rectifié pendant la séance et logiquement, ça devrait l'être. Donc, on verra. Oui, parce que j'ai lu effectivement des choses avec les circonstances aggravantes, ça va jusqu'à 100 000 euros. Enfin, c'était pas très, très clair en commission. Et je crois qu'ils vont le rediscuter en plénière. Enfin, il y a plein d'amendements qui ont été retirés de leur propre chef
pour justement remettre ça à plat en plénière, que ce soit pour les sévices, actes de cruauté, entre guillemets, sans connotation sexuelle, et ainsi que les peines contre la zoophilie et la zoopornographie, hein, si j'ai bien compris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce chapitre 2, il rehausse les peines, mais considérablement. Enfin, disons que c'est ce que demandent les associations. En fait, c'est 5 ans de prison ferme et 75 000 euros d'amende pour les cas les plus graves. Et là, au début, la proposition de loi, elle était assez modérée, elle proposait moins que ça. Mais dans l'ordre, aujourd'hui, c'est 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Et là, on va passer à 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. Donc, c'est quand même un changement considérable et une aggravation à la hauteur de ce qu'on attend, en fait, pour une maltraitance aussi grave, aussi violente que de tuer, d'abuser sexuellement ou d'abandonner dans des conditions où l'animal va forcément mourir. Parce que c'est ça qui est bien aussi dans la loi, c'est qu'il différencie un abandon au bord de la route ou un abandon dans un local enfermé où l'animal ne pourra jamais sortir, un abandon d'un animal malade qui va mourir, en fait, comme ça. Et donc, il y a des circonstances aggravantes et ça prend en compte vraiment les degrés de souffrance. Donc ça, c'est plutôt positif, je crois. Est-ce qu'on sait le nombre de peines qui sont appliquées pour maltraitance aujourd'hui, ne serait-ce qu'avant cette loi, par rapport au texte existant ? Et est-ce par la sanction qu'on peut changer le rapport aux autres animaux ? Alors, pour moi, c'est essentiel déjà de savoir si les textes existants sont appliqués. Auquel cas, s'ils ne le sont pas, qu'est-ce qui va obliger finalement demain à appliquer cette texte. Ouais, alors, j'ai pas de. Je te laisse après, Amandine. J'ai pas de chiffres sur les peines qui sont appliquées. Cependant, il y avait aussi plusieurs associations qui souhaitaient que la police, les gendarmes et les magistrats soient formés à la maltraitance animale. Comme ça a été le cas il y a 15 ans sur les violences domestiques et intrafamiliales. Et ça, par contre, ça n'a même pas été retenu en amendement en commission. Ça, c'est carrément passé à la trappe. Et or, c'est bien, c'est très bien d'augmenter les peines, sauf qu'effectivement, si les magistrats ne les appliquent pas, à quoi ça sert ? Alors, en revanche, il y a un amendement sur des stages de sensibilisation des contrevenants. Ça, c'est prévu. Mais des stages d'éducation et de sensibilisation à la maltraitance animale par les magistrats et les forces de l'ordre, ça n'a pas été retenu du tout. Amandine, un avis sur la question ? Oui, non, mais le problème réel, il est l'application de la loi. Mais ça, on ne va pas demander aux députés, enfin, c'est pas leur rôle, c'est de faire la loi. Donc. Non, mais ce serait leur rôle d'obliger les magistrats à suivre un stage. Oui, la formation, elle est fondamentale. On le voit d'ailleurs sur les féminicides. Hein. Il y a des formations qui sont en train de se développer parce que jusqu'à présent, on avait des forces de l'ordre qui étaient incapables de savoir prendre des plaintes de manière adaptée, etc. Et là, c'est évident que c'est la même chose sur les animaux. C'est-à-dire, est-ce que les personnes qui déposent plainte, comment ils sont reçus au commissariat ? Comment elles sont reçues ? Est-ce qu'elles sont classées sans suite ? Et après, le fait d'appliquer la loi sur des sujets précis, c'est aussi quand même la volonté du ministère de la Justice. C'est-à-dire que s'il y avait une circulaire du ministère de la Justice qui disait « Bon, maintenant, tous les actes de maltraitance sur animaux, on y va, on essaye de faire monter les chiffres là-dessus », ça se ferait, quoi. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout une consigne du gouvernement. Mais après, je pense que c'est bien, en termes d'idée de la loi, d'augmenter les peines. Je pense que c'est un certain signal, même si après, il faudra la question de l'application. Mais dans un premier temps, c'est bien. Et ensuite, la nouveauté, c'est le chapitre d'après, je crois. Enfin, non, je crois que c'est ce chapitre. C'est en effet qu'il y a des sanctions maintenant sur la zoopornographie. Donc, puisqu'avant, ce n'était pas du tout pénalisé. La zoophilie l'était, la zoopornographie non. C'est-à-dire le fait de regarder ou de capter ou de diffuser des images, en fait. Donc ça, c'est une vraie nouveauté, on peut le dire, hein, c'est une nouveauté. Et on le doit vraiment à l'association Animal Cross qui a fait un gros travail là-dessus, seul, hein, et au député Dimitri Houbron qui l'a vraiment porté aussi, puisqu'il avait fait une proposition de loi sur ce sujet et que c'est tiré un peu de son texte. Ouais, ça, c'est une vraie nouveauté, la zoopornographie. C'est quelque chose qui est accessible aujourd'hui, qui n'est pas du tout réglementé. Et en fait, ça implique la zoophilie, en fait. Parce que pour produire du contenu zoopornographique, il y a des actes zoophiles qui sont perpétrés. Et la zoophilie est,
est condamné. Là, il y aura une aggravation des peines aussi sur la zoophilie. Et, mais du coup, là, on traite vraiment de la zoopornographie avec, en détail aussi sur, avec des circonstances aggravantes et enfin, pas des circonstances aggravantes, mais selon les cas, des peines plus lourdes ou moins lourdes. Donc, la consultation, c'est 3 000 euros d'amende, mais la production, le partage sur les réseaux sociaux, ça peut monter jusqu'à 4 ans pour un partage sur les réseaux sociaux, 4 ans de prison, 60 000 euros d'amende. Voilà. Donc, oui, je pense que c'est très bien là-dessus. Et sur l'aggravation des peines, pour revenir là-dessus, de manière générale, en fait, l'idée de ça, pourquoi les associations demandaient ça, c'est que même, aujourd'hui, c'est clair qu'il y a très peu de peines qui sont impliquées, enfin, très peu de cas qui sont vraiment, où le jugement donne lieu à une peine. Voilà. Mais du coup, c'est aussi parce que le magistrat n'a pas en main les capacités de punir comme il les aurait avec cette loi. C'est-à-dire que, à 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende, il n'y a pas assez de latitude, en fait. Donc là, avec 5 ans de prison, déjà, on montre que c'est grave. Et du coup, ça donne au juge la possibilité, s'il ne veut pas aller dans les cas, dans la peine la plus lourde, de donner quand même des peines assez lourdes, intermédiaires. Voilà. Ça casse ce rapport à la zoopornographie. Ça casse finalement les frontières qu'il y avait entre finalement la déconsidération des autres animaux. C'est un sujet hyper, comment dire, dur, violent, à la fois hyper tabou. Est-ce que ça va porter d'autres sujets de société ? Ah, je vois Milton qui... Je sais pas. C'est une question difficile. Non, c'est clair que ça parle de violence sexuelle, donc c'est dans l'ordre des débats aujourd'hui dans la société. C'est important dans ce cadre-là aussi. Malheureusement, les animaux ne peuvent pas prendre leur Twitter et dire « Me too animal ». Ouais, et je pense, pour répondre à ta question, que toute avancée en fait, va entraîner d'autres avancées. Donc, je dirais que oui. Et en tout cas, je trouve que c'est une des bonnes surprises, cette proposition de loi, parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui a été porté il n'y a pas très très longtemps et c'est qui ça. Va déboucher sur une loi quand même. Non, c'est certes, c'est un des points les plus importants, hein, ça c'est sûr, hein, de la loi. Dans cette loi, on l'a dit, on parle à aucun moment des élevages, ni de la chasse. Et je remercie Laurence d'ailleurs d'avoir rappelé que c'est lié directement au lobby de l'armement. Hein. Il n'y a pas que de l'armement finalement de guerre, il y a aussi un armement civil. Et je rappelle également que c'est Emmanuel Macron, hein, qui a fait en sorte que finalement les chasseurs puissent avoir un permis de chasse à 200 euros. Donc on arme davantage finalement hein, la campagne et on fait circuler davantage d'armement. Quand on voit que l'élevage ni la chasse ne sont dans cette loi, est-ce que on considère qu'il y a une souffrance acceptable du coup ? Pour ces gens-là, et encore là, ce n'est que l'Assemblée nationale, mais quand ça va passer au Sénat, qui est quand même un repère réputé de chasseurs et d'afioc, ça va être très très compliqué les débats quand elle va passer au Sénat cette loi. Non, clairement, il y a des gens qui prennent les animaux comme les animaux, c'est de la bouffe et c'est fait pour s'amuser avec. Alors qu'on s'amuse avec en les braquant avec un fusil ou qu'on s'amuse avec en les violant, ce sont des objets. Il y a des gens qui n'ont pas dépassé ce stade-là. L'humain est supérieur et on se sert des animaux comme bon nous semble. En fait, ce que je dirais pour répondre à ta question, c'est pas est-ce qu'il y a des souffrances qui sont acceptables, c'est qu'en fait, il y a des souffrances qui n'existent pas. C'est-à-dire que, parce que là, on pourrait avoir une proposition de loi qui réglemente l'élevage, c'est-à-dire sans l'abolir, sans quoi que ce soit, enfin, mais qui interdit les mutilations, enfin, je veux dire, le béaba, en fait, qui interdit que les animaux ne peuvent pas avoir accès à l'extérieur, qui interdit les cages, enfin, et ça, en fait, on le passe sous le tapis. Donc, ça veut dire que ces souffrances, en fait, on s'en moque, en fait, Absolument. Elles n'existent pas. Donc, malgré les enquêtes récurrentes de L214, où on peut pas, où tout le monde est conscient en fait que ça existe, et pourtant on ne veut pas faire la moindre avancée sur ces questions. Mais moi, je pense pour un petit peu modérer,
disons que je pense qu'il y a certains députés qui sont conscients de ça et qui aimeraient agir sur ça. Il ne faut pas oublier que malheureusement, ils n'ont pas le pouvoir de le faire seuls ou même un petit groupe. Et que, disons qu'il y a aussi le poids des institutions qui jouent là-dessus, quoi. Politiquement, stratégiquement, c'est très compliqué d'aborder ces sujets parce qu'on va avoir une opposition énorme. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si on avait un truc sur la chasse dans cette loi-là, il y aurait une opposition mais énorme qui ferait chuter toute la loi, en fait. Et même si c'était une loi juste sur ça, il y aurait très peu de chances que ça passe. Je pense que faut pas oublier ça aussi, quoi. Donc, disons que là aujourd'hui, l'échiquier politique est fait de telle forme que c'est très compliqué d'agir sur certains sujets plus que d'autres. Ça ne veut pas dire que les députés qui sont conscients sur la question animale, les questions animales, ne veulent pas le faire. Clairement, ils voudraient, mais il y a des réalités qu'il faut prendre en compte, quoi. On ne peut pas agir sur ça de cette façon-là. En mettant une loi à l'ordre du jour, c'est un peu une cause. C'est un peu compliqué, quoi. Techniquement, moi je pense que c'est important de ne pas avoir un discours défaitiste et de dire c'est pas possible, échiquier politique. Nous, notre rôle, c'est de dire qu'en fait il y a des attentes qui sont fortes et qu'en fait là c'est profondément injuste qu'on est dans une démocratie et que ça reflète pas cela. Donc je pense que c'est important de ne pas s'autocensurer et de ne pas dire oui, il y a des lobbies, l'échiquier politique, c'est compliqué, voilà. Voilà, et encore une fois, l'exemple du référendum, avec tout le poids que ça a eu, avec toutes les personnes qui sont mobilisées, les articles de presse, etc., ça montre vraiment qu'il y a des demandes qui sont très fortes et que quand on a des élus qui ne sont pas capables de le mettre à l'ordre du jour, on doit se révolter, quoi. Et je pense que c'est important de ne pas le justifier, de ne pas dire que c'est une configuration. C'est pour le comprendre, disons que c'est pour le comprendre, parce que nous, aux politiques, on leur donne... C'est les lobbies qui font la loi. Oui, mais nous, on leur donne toutes les informations, on leur passe les demandes des associations, on leur dit exactement tout ce qu'on veut, on veut une loi sur tel sujet, on veut une loi sur tel sujet. Après, ce qu'ils font avec, ça, on n'a aucune main là-dessus, donc... c'est juste que nous, on comprend pourquoi, c'est juste qu'on sait qu'eux, ils ne peuvent pas le faire pour telle et telle raison, on ne l'accepte pas forcément. Oui. Ça me fait penser à cette phrase, hein. Vous allez me dire à qui on l'attribue, mais ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je ne sais pas si on peut penser ou croire en la vertu de l'exemplarité, mais Cédric Villani, dans son projet de loi, il prenait beaucoup d'exemples sur les pays européens. On ne voit pas vraiment ça dans le projet de loi dont on est en train de parler. Et il y a justement quelqu'un qui a posé une question et qui rejoint ça. C'est est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer des systèmes étrangers, en l'occurrence européens, quand on voit tout ce que citait Cédric Villani, pour savoir comment ces sujets sont abordés en politique. Peut-être que ça donnerait une réponse dans un activisme plus performant. Là, on est à l'Assemblée nationale, donc c'est franco-français. Et la France, pays de tradition de chasse, de tradition de la corrida, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Les Français et encore plus les politiques avec leur petit côté arrogant, de toute façon, nous, on sait mieux que tout le monde. C'est quand même c'est assez français comme mentalité, c'est bien connu, quoi. Donc, de savoir que les pays européens vont plus loin, et non seulement ils s'en fichent, mais ils vont complètement à l'encontre, puisque la castration des porcelets, c'est la codectomie qui est interdite par l'Europe, ça n'est toujours pas mis en place. Par la France. Et pourtant, c'est une loi européenne. Donc, ça veut bien dire qu'ils s'en fichent complètement. Donc, leur dire, ah bah regardez, c'est pas bien parce que nous, on n'est pas en avance sur le sujet, ils s'en fichent, les politiques. Eux, ils jouent leur réélection et ils ne veulent pas aller, c'est ce qu'on a déjà dit au début, ils ne veulent pas aller contre le business, l'économique et voilà. Ouais, pour rebondir sur l'exemple des pays européens, moi je pense que c'est important aussi qu'on voit pourquoi dans certains pays il y a des mouvements qui ont fonctionné et comment ils ont fonctionné. C'est-à-dire aussi une remise en question de nous, mouvements animalistes en fait, pourquoi il y a des sujets qui sont à l'ordre du jour, d'autres qui ne le sont pas. Alors oui, bien sûr, il y a le poids des lobbies, mais pas que. Et je pense que c'est important de s'interroger stratégiquement
sur le type d'action, le type de stratégie, le type d'initiative. Et ça doit être une leçon, c'est-à-dire que quand on a dit que les lobbies font la loi, c'est un élément, mais il y a le pendant. C'est pourquoi nous, mouvement, on n'est pas assez fort pour faire un rapport de force. Qu'est-ce qui ne suffit pas ? Donc, l'argent, c'est une chose, mais il n'y a pas que l'argent. Enfin, c'était ma question. La préface de... du livre là, sur L214 qui a été écrit par Jean-Baptiste Delamont. C'est une citation, je crois, de Florence Burga qui explique qu'en fait, l'importance dans un mouvement, c'est de l'imagination. Et l'imagination et le fait d'oser, en fait, et de ne pas s'auto-censurer. Et donc, je pense qu'on doit aussi se remettre en question. Nous, on essaye de le faire tous les jours et de se dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche. Actuellement, les gens voient sur le bandeau le titre de ce live, « Loi contre la maltraitance animale ». Timide ou véritable, quelles avancées ? Est-ce que ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, que la militance, elle aussi, est un peu timide et qu'elle a besoin d'aller plus loin ? T'as des pistes déjà sur ça ? C'est difficile à dire, mais je pense que ça dépend aussi des sujets. Je pense qu'il y a des sujets qui sont moins à l'ordre du jour médiatique que d'autres. Et pourquoi ? Moi je suis partie prenante, donc c'est un peu dur de. Mais je crois profondément que toutes les stratégies doivent exister et doivent être complémentaires. Je pense que c'est vraiment très très important qu'on n'ait pas tous la même stratégie. C'est décisif. Il y a des sujets sur lesquels c'est peut-être un peu bouché et que il faudrait repenser, je pense, le mode d'action. Et pas faire en permanence en fait les mêmes choses quand ça n'avance pas. Mais c'est très très compliqué d'avoir des réponses et je pense qu'il faut essayer faire des choses, se tromper beaucoup pour arriver de temps en temps. Ok. Ce qui est bien, c'est que vous êtes tous les trois et toutes les trois ici donc représentants de ce que peut être l'action dans l'animalisme et on voit bien que vous avez des stratégies différentes, vous avez des moyens d'action différents aussi surtout et puis vous abordez les gens différemment et c'est ça qui fait que probablement ça avancera demain. Ce que je vous propose en termes d'avancée maintenant, c'est de passer au troisième chapitre qui concerne cette fois-ci la fin de la maltraitance d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales. Alors, sur l'image qu'on voit apparaître, nous, sur l'écran, on voit un éléphant à qui on demande de faire le clown, et puis une otarie également à qui on demande de faire le clown. Ça ne concerne pas que ces animaux-ci. Et donc, à vous maintenant de nous dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui se satisfaire dans la manière dont le sujet est abordé aujourd'hui dans cette loi. C'est une question difficile. Déjà, je voudrais quand même dire que moi, je suis vraiment très, très, très heureuse qu'il y ait cet article de loi parce qu'on s'est battu depuis des années avec ce slogan « Exigeons une loi ». On voulait vraiment que ce soit une loi et pas un simple arrêté. Donc, je voudrais quand même dire que c'est quand même... une avancée importante. Il y a des failles importantes aussi dans cet article, donc le fameux article 12 sur les spectacles. Dans le texte initial, et ce dont on avait très très peur, c'était que l'interdiction concerne uniquement une liste d'espèces sauvages qui aurait été définie par le ministère de l'Écologie. Nous, on y était profondément opposés parce qu'on a toujours dit qu'on ne voulait pas d'interdiction partielle. En commission des affaires économiques, ça a été supprimé. Donc, on est vraiment sur toutes les espèces qui sont sauvages, qui ne sont pas domestiques, en fait. Donc, c'est intéressant. Pour nous aussi, la très, très grosse avancée, et on est la seule association à l'avoir portée durant les travaux ministériels, c'est qu'il y a une date butoir de 5 ans. Donc, c'est-à-dire que, clairement, on a un délai et qu'à partir de ce délai, ça sera vraiment illégal d'avoir des animaux sauvages pour faire des spectacles. Donc ça, c'est des points importants. Après, la grosse faille de cet article, c'est que ça concerne uniquement les spectacles itinérants. D'ailleurs, on a lancé une action en ligne pour les personnes qui sont inscrites sur nos actions en ligne. Vous pouvez vous inscrire sur zoopolis.fr pour demander l'interdiction de tous les spectacles avec animaux sauvages. Et là, c'est maintenant qu'on peut parler d'un lobby qu'on a totalement oublié jusqu'à présent. C'est le lobby des zoos, qui est extrêmement présent à l'Assemblée nationale, en commission des affaires économiques. C'est vraiment, c'est hallucinant le nombre de porte-parole qu'ils ont. Et alors même
que ce texte de loi ne parle pas du tout des zoos, en fait. Mmh. Et donc, pourquoi on a choisi comme ça de cibler les spectacles itinérants? Ben, tout simplement parce qu'il y a des spectacles dans les zoos et qu'il ne faut pas toucher aux zoos. Et pour moi, c'est très grave, parce qu'en fait, quand on remet en question le fait que des animaux fassent des spectacles, on remet en question quoi? On remet en question le dressage et on remet en question la captivité, l'emprisonnement. Et là, à travers ce texte, en fait, on a des élus qui remettent uniquement en question l'itinérance, c'est-à-dire le fait de trimballer des animaux de ville en ville, bon, ce qui est un facteur aggravant, mais ce qui n'est pas la base, le fondement du problème éthique, en fait. Donc, ce dont on a très peur et qui va être peut-être un effet pervers de cette loi, c'est que les cirques fixes ou même les dresseurs itinérants, comme par exemple de montreurs d'ours, deviennent des spectacles fixes, c'est-à-dire s'installent réellement sur un terrain. Voilà. Donc, le risque est, je pense, un peu limité dans le sens où il y a un modèle économique à trouver. Est-ce que les gens vont se déplacer pour aller dans tous les spectacles fixes? Il y a aussi le fait que les cirques, ils ont un mode de vie itinérant et que c'est très important pour eux et qu'il y en a qui ne voudront pas être fixes. Mais clairement, il y en a qui vont passer en fixe. Je pense que c'est une évidence qu'il y en a. Il y a quelques années encore, le cirque Boudlione, le cirque d'hiver, avait des ménageries et les animaux étaient à demeure, là. Alors non. Alors le cirque d'hiver Boudlione, donc qui est à Paris, en fait, c'est un cirque qui ne possède pas d'animaux. C'est-à-dire que maintenant, mais il y a 30 ans, il en possédait. On pourrait revenir à ça. Pas. Mais en fait, là, il est au centre de Paris. Donc, mais depuis 2 ans déjà, il n'y a plus d'animaux sauvages. Il n'en utilise plus. Hein, mais ça, c'est la bataille culturelle, hein, vraiment. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il a considéré qu'il fallait plus mettre d'animaux sauvages dans ce spectacle pour satisfaire le public. Mais en fait, lui, il fait appel à des dresseurs ces dernières années. Et donc, ces dresseurs qui sont donc itinérants, ça ne pourra plus être possible. Mais il y a certains cirques qui ont des bases, terrains d'hivernage, qui ont des terrains fixes, qui eux pourraient passer en fixe. Mais surtout, pour moi, le gros problème, c'est le principe d'égalité. C'est-à-dire qu'on a un principe d'égalité en France qui est de dire que la loi s'applique à tout le monde. Et donc, les spectacles avec animaux sauvages devraient être interdits pour tout le monde, en fait. Que ce soit les zoos, que ce soit les cirques. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez grave dans cet article. Mais bon, c'est quand même un pas en avant, hein, c'est-à-dire qu'on fait quand même reculer la souffrance, mais c'est une des failles. Après, donc, on s'était battu pour l'interdiction de la reproduction et des nouvelles acquisitions immédiatement à la promulgation de la loi, puisque initialement, dans le texte initial, c'était à 6 mois ou 1 an, je crois. Et là, c'est vraiment à la promulgation de la loi, donc ça, c'est très, très important hein, pour limiter le nombre d'animaux prisonniers. Pour moi, le gros point noir, cette question d'itinérance est fixe. Le gros point positif, c'est que cette date butoir, parce que c'était pas du tout une évidence pour tout le monde. Et je voudrais quand même dire qu'on peut pas avoir d'interdiction ancrée dans le réel si on n'a pas de date in fine pour l'ancrer. Quoi. Laurence, sur ce chapitre. Oui, effectivement, le délai de 5 ans, moi, ça me paraît énorme, mais bon, mieux vaut ça que 10 ans, hein, de toute façon. Évidemment, dans le programme du Parti animaliste, ça c'était clairement dès les législatives de 2017, c'était clairement l'interdiction de tous les animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, dans tous les cirques, qu'ils soient fixes ou itinérants. Donc ça ne va pas jusqu'à nos attentes, mais effectivement c'est quand même mieux que rien et c'est quand même un sacré pas. Maintenant il y a quand même beaucoup de questions sur la cession des animaux. Que vont-ils devenir au bout de 5 ans? Voilà, ça reste flou, Amandine. Oui, alors le ministère de la Transition écologique a dit aux associations donc que ça sera du cas par cas et qu'ils vont tout faire pour les placer. Et encore une fois, les cirques qui le souhaitent pourront les garder, hein, si c'est en fixe. Oui. Enfin, ça, il faut bien le voir. Hein. Mais en tous les cas, donc, ce qu'a dit le ministère de l'écologie, c'est qu'il y aurait donc un placement d'animaux en concertation avec les associations qui s'occupent de ce sujet, au cas par cas, pour chaque individu. Après, c'est vrai que les transitions, c'est toujours très compliqué. On espère vraiment que ça va se passer au mieux, mais ce que je voudrais vraiment dire, c'est que
quand on est dans un système comme ça qui est très complexe, qui existe depuis des années, des décennies, avec de la souffrance, de l'exploitation, ben pour nous, pour notre association, le premier objectif, c'est d'arriver à en finir et qu'il n'y ait plus de nouvelle génération. Voilà. Après, la génération actuelle, on souhaite vraiment qu'il soit placé dans des structures adaptées et sur lesquelles on espère qu'il n'y ait pas d'exhibition ou autre, mais ça sera potentiellement une génération peut-être sacrifiée. Après, la question, ça va être, est-ce que le gouvernement va se donner les moyens, en fait ? Nous, depuis le début des travaux ministériels, on a demandé que le gouvernement finance les refuges, les sanctuaires et même en crée des structures pour les animaux sur lesquels il n'y a pas assez de place. Donc, est-ce que ça va être fait ? Je ne sais pas. Et après aussi, un des points qui peut être posé problème, c'est qu'il n'y a pas de mesures répressives. Donc, nous, on avait proposé qu'il y ait 15 000 euros d'amende pour chaque individu qui soit maintenu, chaque animal sauvage qui soit présenté en spectacle de manière itinérante, un article de répression, là, ça n'y est pas. Je sais qu'il y a des amendements en ce sens. Et aussi, un point important, je sais que Cédric Villani va redéposer un amendement sur ça qui n'a pas été adopté en commission des affaires économiques, c'est sur le fait d'obliger qu'il y ait un recensement exhaustif des individus qui sont présents dans les cirques, dans les spectacles, les animaux sauvages, parce qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui est incapable de nous dire combien il y a d'animaux sauvages par espèce. Et donc, comment trouver des solutions quand on n'a pas de liste exhaustive ? C'est la question. Ça a été réclamé pendant tous les travaux ministériels. On ne l'a jamais. Enfin, ils en sont incapables. Donc, je sais qu'il y a eu quelques avancées depuis, notamment avec les aides dans le cadre de la crise sanitaire. Mais la liste n'est pas exhaustive. Donc, ça devrait être quelque chose de très, très urgent. Et donc, Cédric Villani va le demander que ça soit réalisé sous 6 mois. Comment est-ce qu'on va pouvoir échapper au trafic, à toutes ces personnes qui font de la reproduction et finalement toutes ces ventes, tous ces échanges commerciaux sur les autres animaux, en particulier les animaux sauvages? Comment on va repérer ça du coup là? Parce que pour le coup, c'est une écharde. Oui, il faut des contrôles. Il y a des associations qui dénoncent, il y a les services de l'État aussi qui sont censés contrôler ça. Il y a des saisies d'animaux qui sont faites, des animaux sauvages qui sont faits par l'OFB notamment. Mais il faut des contrôles. Enfin, c'est clair qu'il y a du trafic. Bah, le trafic d'animaux sauvages, ça reste un des trafics les plus lucratifs au monde. Donc, même en France, il y en a. Et sur le territoire français, il y a des ventes de tigres, il y a de tout. Donc, il faut contrôler ça. Bon, là, l'article de loi ne parle pas de ça, du trafic animalier. Mais en tout cas, pour ce qui est des associations partenaires de convergence animaux politiques, que ce soit Code Animal ou la LFPA, par exemple, sont assez satisfaites sur cet article-là, de la façon dont il est rédigé aujourd'hui, parce que on a réussi à porter leurs amendements pour que les délais soient réduits et ces amendements ont été adoptés. Et aussi pour qu'il y ait des dérogations qui soient supprimées, parce qu'il y avait à la base une dérogation sur les animaux castrés qui pourraient continuer à faire des spectacles. On a réussi à supprimer ça. Et donc là, dans l'État, sur les animaux sauvages dans les spectacles itinérants, c'est beaucoup mieux. Et c'est à la hauteur de leurs ambitions. Après, il y a la question des cétacés aussi dans les delphinariums. Et oui. Et voilà. Et ça, c'est un autre problème encore. Il y a plus la question d'itinérance, mais il y a quand même la notion de captivité des animaux sauvages. Et les cétacés, c'est pas du tout des animaux. Enfin, on parle des dauphins et des orques, pour être clair. Des animaux qui sont censés être enfermés dans des bassins tout petits et à faire des spectacles. Donc là aussi, on a réussi à interdire, une fois que la loi soit promulguée, la reproduction et l'acquisition. Donc, il y aura plus de nouvelles reproductions. Là, cette année, il y en a eu 4 des delphinos qui sont nés. Et il y en a qui sont morts même. Mais du coup, c'est quelque chose qui continue d'être fait parce qu'ils veulent garder leur stock, quoi. Et voilà. Donc là aussi, il y a des avancées. Et les délais, en fait, c'est surtout des questions de négociation parce qu'il faut trouver des solutions pour les replacer, en fait. Hein, pas juste à interdire comme ça, sinon ils seraient tous euthanasiés. Il faut pouvoir les replacer dans des refuges. Et là, sur la question des cétacés, il n'y a pas de sanctuaire marin actuellement. Donc, le ministère de la Transition écologique aimerait en faire un, mais du coup, on ne sait pas du tout combien de temps ça va prendre. Et là, c'est compliqué parce que les orques, on ne sait pas où les mettre. Hein, donc là, il y a un délai de 2 ans qui pourra être reconduit plusieurs années de suite pour les orques, pour qu'elles soient placées. Mais en fait, on sait pas trop ce qu'elles peuvent venir. Le Marineland peut très bien décider de les envoyer en Chine, parce que c'est des animaux qui appartiennent au parc, en fait. Donc là, pour le coup, même le gouvernement
Sauf, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir les en empêcher justement? Parce que déjà cette année, ça a failli. Hein. Je sais que les personnes qui s'occupent justement de faire pression sur le Marineland, dans le sud de la France, ont manifesté l'année dernière pour justement que ça ne se passe pas, mais ça a bien failli se faire. Et les orques ont failli partir en Chine. Donc il y aurait un moyen de légiférer ou tout du moins de... Comment on pourrait agir? L'État pourrait être propriétaire des animaux, mais ça ne se fera pas, clairement pas. Ils ne font pas ça, ils ne sont pas favorables à ça, je pense. Et il y a un vrai risque, du coup, comme les animaux appartiennent au parc, il y a un vrai risque qu'ils soient envoyés en Chine. Et là, bah, c'est encore pire, quoi. Donc finalement, pour ces animaux-là, la solution qui serait trouvée avec cette loi, ça ne leur fera pas forcément du bien. Disons que ça préviendra qu'il y en ait d'autres qui souffrent, mais pour les animaux qui sont actuellement dans les parcs, bon, les dauphins, là, pour le coup, ils vont normalement pouvoir être remplacés, si tout va bien, mais... Ce qui veut donc dire là, cette loi qui a pour but de mettre fin à la maltraitance des espèces sauvages qui sont donc utilisées à des fins commerciales et qui sont en captivité forcée, se retrouverait dans des sanctuaires qui ne peuvent même pas être des sanctuaires, et en fait, il y aura encore une marchandisation. Donc la loi n'empêche pas, finalement, cette marchandisation. La loi n'empêche pas, finalement... La maltraitance. Il faudrait que l'État crée un sanctuaire marin, comme Milton le disait, parce que les eaux territoriales et le littoral, c'est la propriété de l'État, quoi, du pays. Donc, il faudrait faire un sanctuaire marin pour pouvoir les mettre. Okay. Sauf que, bon, après, la volonté politique, est-ce qu'elle y sera? J'ai quelques doutes. Est-ce que l'association Cétacé ou encore la LFDA demande un sanctuaire marin en mer, parce qu'on ne veut surtout pas que les delphinariums se transforment en sanctuaire et gardent les animaux dans leur bassin sous prétexte de les soigner. Mais oui, c'est ce qui est demandé, quoi. Et après, bon, pour continuer sur ce chapitre, il y a aussi la question des ours et des loups, qui sont aussi des animaux sauvages, qui sont utilisés pour des spectacles itinérants de monteurs d'ours, de monteurs de loups, donc des spectacles type moyenâgeux où on trimballe un ours, on le fait faire des numéros, voilà. Donc là, c'est un peu comme les cirques, mais du coup, c'est un cas particulier encore. Et là, il y a des avancées aussi. Donc, il y aura un délai de 2 ans pour la fin de ces spectacles-là en France. C'est des animaux qui sont utilisés dans les fêtes médiévales, par exemple. Ça, c'est l'association AVS France qui est très active. Mmh. Ouais, oui, tout à fait. Je voudrais juste redire, parce qu'on avait travaillé beaucoup avec AVS France sur cette question, notamment sur l'ours Valentin. Et en fait, on aurait aimé que la date soit inférieure parce que AVS France, ils ont des places pour tous les ours et les loups. Il y en a moins de 10 en France, en fait. Donc, ça aurait pu se faire plus rapidement. Voilà. Bon, après, c'est une avancée. Mais encore une fois, j'attire l'attention que c'est uniquement les spectacles itinérants. Donc, est-ce que, par exemple, Frédéric Chesneau, qui détient Valentin, est-ce qu'il va se mettre à faire ses spectacles en fixe? Voilà, c'est un des risques. Et juste, je voulais aussi revenir sur l'article, juste avant l'article 13, qui est aussi important, c'est le fait, donc, l'interdiction d'utiliser des animaux sauvages dans les boîtes de nuit, donc typiquement les bébés lions, les bébés tigres, etc., ou toutes faites, en fait, toutes faites, y compris privées, et aussi l'interdiction de présenter des animaux sauvages dans les émissions télé. Donc, c'est typiquement l'article Fort Boyard. Et en fait, donc les délais étaient beaucoup plus élevés. Là, on est sur un délai de 2 ans pour la question des émissions de télé, alors qu'en fait, Fort Boyard, ils ont déjà annoncé arrêter les tigres. Et à ma connaissance, je ne vois pas trop les autres animaux sauvages qu'ils ont. Donc, ça aurait pu aller plus vite. Mais bon, en tout cas, c'est une avancée. Et juste aussi, je voulais quand même préciser que sur cette lignée, il y avait la rapporteuse, donc Laetitia Romero-Diaz, qui avait proposé un amendement très intéressant, qui était d'interdire les animaux sauvages dans les clips musicaux, les shootings photos, etc., qui est pour moi le prolongement et qui me paraît être totalement logique. Oui. Et pourtant, ça a été rejeté. Et la députée, par exemple, Aurore Berger, qui d'habitude défend les animaux, a défendu la création culturelle. Je n'ai pas du tout compris. Je suis vraiment atterrée devant ses propos. Et donc, c'est dommage. J'espère que ce sera redéposé en plénière. Pas facile d'être précurseur ou précurseuse dans ce domaine, finalement, comme dans tout. À chaque fois, il y a un acte de résistance, quelque part. Ça a trait à quoi aux rencontres que ces politiciens font avec d'autres gens? C'est encore du lobbying, finalement? C'est quoi tout ça? Mais les députés, ils ont plusieurs sujets d'actuation. Donc là, par exemple, pour Berger, la culture, c'est aussi un de ces sujets forts. Et je pense que
C'est mon interprétation, je ne sais pas du tout si c'est ça, mais j'ai l'impression que, étant donné les complications du monde culturel aujourd'hui, ils n'ont pas voulu mettre la barre trop haut pour pas que ce soit encore une fois un sujet qui l'emploie. Mais c'est clair qu'il faudrait à terme interdire tout déplacement d'un animal sauvage en dehors de son lieu de détention devrait être arrêté. C'est ça ce que demandent les associations aujourd'hui, quoi. Donc que ce soit pour une fête, dans une discothèque, que ce soit pour une émission télé, que ce soit pour un shooting photo ou un clip musical comme Weshden l'a fait avec un ours, voilà, ça il faut arrêter, ça c'est juste pas possible. Donc que ce soit pour de l'art, c'est-à-dire un film ou un clip, ou que ce soit pour une fête, pour les animaux ça fait aucune différence, ils sont utilisés et il faut que ça s'arrête de la même façon. Au cœur du sujet, c'est ouais, au cœur du sujet, c'est la détention et la captivité. D'ailleurs, ce terme détention, en fait, il est dans cette loi alors qu'il n'était pas dans la précédente. C'est un peu comme si c'était acceptable. On parle de détention, voilà, on détient les autres animaux. Donc la captivité, ce sera le passage suivant. Fini la captivité. Parce que, On espère, parce que cette proposition de loi ne s'attaque pas du tout à l'emprisonnement, mais pas oui, du tout. C'est ça. Elle le défend même, dans le fond. Elle le réglemente, comme disait Amandine. Oui, elle le réglemente, tout à fait. Et pourquoi il n'y a aucune mesure sur les eaux, en fait ? Et j'ai vu tout à l'heure Milton qui réagissait quand il a entendu parler du lobbying des eaux. Il a acquiescé. Tu t'y confrontes au quotidien, ce lobbying des eaux, toi-même ? Ben, pas au quotidien, mais disons que là, pour cette loi, ils ont déposé 13 amendements pour que, par exemple, les cétacés aillent dans des eaux, donc sortent des delphinariums et aillent dans des eaux, donc comme si ça allait les arranger. Mais alors que les delphinariums sont déjà des eaux, en fait. Ben oui, oui. Donc c'est n'importe quoi. Enfin, ils font du trafic. Mais par exemple, il faut quand même qu'on cite l'amendement du député Di Filippo, qui est un porte-parole des eaux, qui a quand même dit on interdit les cétacés dans les spectacles itinérants. Non, mais comme si les orques et les dauphins, on faisait des spectacles itinérants avec. Enfin, je crois qu'ils se moquent du monde, en fait. Et ça, c'est vraiment pour protéger les eaux, puisque les eaux ne sont pas itinérants, en fait. Donc, on voit bien que cette scission, enfin, cette binarité itinérant fixe, qui n'a aucune justification scientifique sur les animaux, en fait, enfin, voilà, elle est faite à dessein pour les eaux. Depuis tout à l'heure, il y a un sondage qui est fait sur Instagram, sur la story de la page Instagram de Nombi. Et je tiens à vous donner donc les résultats tout de suite. On est à 87% qui considèrent que cette loi est timide, contre 13% une véritable avancée, juste entre nous. Il va y avoir beaucoup de questions, donc je crois qu'on va avancer un peu, en particulier avec le chapitre 4, qui alors là, pour le coup, est assez étonnant, décidément, c'est encore le business qui est à l'honneur. Fin de l'élevage de visons d'Amérique élevés pour leur fourrure, mais alors quid du reste de la fourrure, quid du reste de ces types d'élevage? Qu'est-ce qu'on considère d'ailleurs comme fourrure? Parce que tout à l'heure, je donnais l'exemple des plumes ou du lapin angora, et j'ai besoin de toutes vos précisions, nous avons besoin de toutes vos précisions. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, il y a deux élevages d'animaux destinés donc, à la fourrure, donc à leur peau. Hein. Donc, il y a en effet les visons et les lapins aurillacs, qui sont une race ou une espèce créée par l'INRA, hein, donc qui est une fourrure très soyeuse. Alors, la particularité, c'est que bien sûr, c'est des lapins donc, qui sont domestiques et qu'un des déchets de ces animaux, si je puis dire, c'est la viande. Donc, ils sont aussi utilisés pour la viande, quoi, même si l'objet principal, c'est quand même la fourrure. Et donc, cet article de loi, donc déjà, ça ne parle que des visons. Et en fait, il y avait des amendements pour demander l'interdiction de tout élevage destiné à la fourrure. Donc, c'est-à-dire de faire une interdiction générale pour anticiper des futures créations, en fait. Par exemple, l'élevage de renards, qui n'existe pas en France, mais qui pourrait débarquer un jour. Donc, ça n'a pas été retenu. Et donc, oui, en effet, donc, l'élevage de lapins voulait être protégé parce que c'est une filière française, si je puis dire. Mais même l'interdiction de l'élevage d'animaux non domestiques, donc sauvages, à destination de la fourrure, a été aussi refusée. Donc là, on met vraiment que les visons. La petite avancée, c'est que la date a été diminuée, hein, puisqu'avant c'était 5 ans, là on est sur 2 ans, ce qui paraît très long quand on sait que déjà il y a très 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 peu d'élevage, qu'il y en a un qui a fermé suite à la crise sanitaire, puisque les visons transmettent le coronavirus, et que surtout, pourquoi ce délai est très long? Parce que contrairement aux autres animaux, on est sur un élevage qui envoie les animaux à l'abattoir, donc on pourrait imaginer qu'une fois qu'on les a envoyés, c'est fini, quoi. Mais non, on va continuer à les faire se reproduire pendant 2 ans.
Donc voilà, c'est vraiment dommage. Il y a des députés qui ont tenté de faire encore plus baisser la date en parlant de la crise sanitaire. Apparemment, ça n'a pas heurté les parlementaires. Donc voilà, donc c'est une avancée, mais c'est timide. On aurait bien sûr aimé l'interdiction de la commercialisation de fourrures en France. Donc plus aucune vente de fourrures. Et là, si on attaque la vente, ben c'est quand même très très fort pour les animaux. Laurence. Mais quand je disais tout à l'heure que de toute façon les animaux face à l'argent, ils ne pèsent pas grand-chose, on le voit bien là, puisque même les députés ont avancé effectivement le problème de la crise sanitaire et du risque de contamination au Covid des ouvriers, des employés qui travaillent dans ces fermes de visons. Et ben même ça ne les a pas fait réduire la loi pour une fermeture, réduire le délai pour une fermeture immédiate. Même le danger sanitaire que courent des humains n'a rien pesé par rapport à l'argent. Donc, les animaux, ils pèsent encore moins, forcément. D'autant qu'il y a un élevage qui a été abattu. Hein. Sur les 4 élevages qu'il y a en France, il y en a un, il a été complètement décimé parce qu'il a été contaminé au virus. Et là, bah, du coup, il va être renouvelé. Quoi. C'est-à-dire qu'ils vont refoutre des visons dedans et les faire se reproduire jusqu'à créer un élevage. Quoi. On aurait pu au moins faire fermer ceux qui sont contaminés. Quoi. Mais... Donc, ouais. Donc ça, c'est non seulement pas une avancée, franchement, on se moque du monde, là, on est d'accord. Non, mais ça reste une avancée, mais dans 2 ans. Disons qu'ils voient large. Eux, leur explication, c'est qu'il faut pouvoir trouver des solutions pour toutes les personnes qui sont employées, en fait. Mais ça, c'est déjà prévu dans le texte, puisqu'il y a des mesures qui permettent justement de financer les transitions. C'est l'article dernier, je crois, et oui, pour Bilani, c'était l'article premier. Mais une transition, ça prend du temps, en fait. Une transition, c'est pas immédiat, juste c'est le principe de la transition. Donc forcément, là, les acteurs qui sont dans ces filières-là, le gouvernement ne veut pas les mettre sur la paille non plus. Mais on en est quand même assez loin. Enfin, là, ce qu'il faudrait quand même rappeler, c'est que dans les élevages de visons, il y a très, très, très peu d'employés, en fait, parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, comme la distribution de nourriture. Enfin, donc, il y a très, très peu d'employés. On a moins de, je crois, il y a 3-4 élevages. Il y a un pays de l'Est dont j'ai oublié le nom qui a fermé des centaines d'élevages par une loi pour la protection des animaux. Donc, en fait, on voit que c'est toujours une usine à gaz pour des sujets en fait qui quand on le remet dans le contexte en fait qui concernent peu de choses. Donc on se dit mais comment on va faire pour les sujets sur lesquels il y a des vrais enjeux avec des vrais emplois, enfin et donc c'est ça en fait qu'il faut mettre en perspective, quoi. C'est-à-dire quand on se dit c'est 2 ans pour une poignée d'élevage de visons, mais ça va être combien pour l'élevage intensif? C'est ça qui me perturbe beaucoup, en fait. C'est de remettre ça en perspective. Et que sur ces sujets-là, il faudrait aller très, très vite parce qu'en fait, les enjeux sont vraiment quand même mineurs. Enfin, et les reconversions professionnelles, enfin, je veux dire, on les subit tout le temps, quoi. Donc, il n'y a pas que les personnes qui exploitent des animaux. Donc. Non, mais je suis d'accord avec toi. Dans les faits, ça pourrait être fermé dans les 6 mois. Dans les faits, ça pourrait être fermé dans les 6 mois. Le délai qu'ils ont mis, c'est issu de négociations, en fait, entre les députés qui voulait un délai plus court et le gouvernement qui voulait un délai plus long, il voulait 5 ans, et ça aboutit à 2 ans, quoi. C'est ce qu'ils ont trouvé. Et surtout que là, on ne part pas de rien. C'est-à-dire qu'on part d'un fait que le ministère avait mis en place des travaux ministériels, donc l'interdiction était sur la table. La ministre a annoncé ces mesures en septembre, donc ça fait déjà 6 mois, en fait. Donc, je veux dire, ils sont quand même un peu préparés au sujet, donc... Voilà, donc ça manque un peu d'ambition et de volonté ferme. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est de se dire que cette proposition de loi, elle arrive en fin de mandat. Donc voilà, l'application, ça va être pas dans ce mandat, durant ce mandat. Est-ce qu'on va aller jusqu'à la fin de la navette parlementaire? Enfin, ça, c'est aussi des questions qui restent à poser. Tiens, ça, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué. Milton, Tu connais plutôt dans ces sujets institutionnels. Finalement, alors, est-ce que la loi pourra s'appliquer assez rapidement? Est-ce que ça va traîner? Est-ce qu'on va pouvoir la nourrir davantage? C'est quoi le calendrier là? Et est-ce qu'il y aura une volonté de l'appliquer rapidement? Alors, il n'y a aucun calendrier, ça c'est clair. À part le vote à l'Assemblée, où il aura lieu la semaine prochaine, ça on est sûr. Et on peut être à peu près sûr que la loi sera adoptée. Voilà. Donc ça, disons que c'est bien. La garantie qu'on a du gouvernement, c'est qu'ils ont enclenché la procédure accélérée. Donc ça, c'est quand même assez cool pour nous, parce que ça veut dire que le texte ne va pas faire des allers-retours entre les chambres. Donc il va aller une fois au Sénat, ils vont le lire une fois, ils vont l'amender,
et ce sera fini. Ensuite, il va être étudié en commission mixte paritaire, c'est-à-dire une commission avec des députés et des sénateurs qui vont se mettre d'accord sur un texte final, mais c'est tout. Ils ne vont pas faire quatre allers-retours entre les chambres, donc ça va être assez rapide. Par contre, le temps que ça prendra entre chaque chambre, entre chaque étape, là, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais l'idée, c'est quand même qu'elle soit adoptée d'ici, avant la fin du quinquennat, en tout cas. Et bon, on peut espérer que ce soit fait rapidement, mais là, on n'a pas trop d'informations. En tout cas, voilà, la procédure accélérée, c'est quand même un point positif. Et on nous a indiqué, mais ça, ce n'est pas une information officielle, que le gouvernement serait prêt à le mettre à l'ordre du jour au Sénat. Donc, c'est plutôt positif. Voilà. Okay. Par contre, les sénateurs, on n'a aucune garantie qu'ils veulent garder le texte en l'état. Ça, on va être très vigilant là-dessus et insister pour que toutes les avancées qu'on aura conquises via les amendements à l'Assemblée, elles soient maintenues au Sénat. Ok. Ce que je vous propose à toutes les trois maintenant, c'est de répondre aux questions qui sont arrivées au cours de ce live. On a déjà dépassé d'un quart d'heure, donc merci de nous offrir ce temps. 10 minutes de questions et puis ensuite on se quittera, sachant qu'il y a une prochaine échéance, c'est celle du 26, et d'aller tous dans la rue pour faire entendre sous les lambris dorés de l'Assemblée la vraie cause des animaux, des autres animaux. Première question, merci pour ce live, déjà on vous remercie pour vos engagements respectifs. Savez-vous pourquoi le projet de PPL sur la corrida et les mineurs de Cazebonne n'est pas dans cette proposition de loi ? Signé Romain, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ne l'ont pas retenu. Hein. Donc, là, pour préciser un peu de quoi il s'agit, c'est une proposition de loi qui a été travaillée avec la députée Samantha Cazebonne, qui interdit la présence de mineurs dans les arènes de corrida pour que les mineurs ne soient pas exposés à la violence des corridas. Donc l'idée, c'est de réguler la corrida en usant le côté violence infantile, quoi, parce que ça a plaisant. Mais le problème, c'est que ça n'a pas été mis à l'ordre du jour de cette PVL-là. Ça aurait pu l'être, mais je pense que les négociations n'ont pas abouti dans ce sens-là, malheureusement. Nous, on va continuer pour que le projet soit mis à l'ordre du jour, la proposition soit mise à l'ordre du jour, parce que c'est un des trucs sur lesquels on a travaillé avec CAP, avec la députée Samantha Cazebonne, et ça reste un des objectifs qu'on se fixe pour ce quinquennat. On aimerait que cette loi passe. Après, là, voilà, le temps se raccourcit, c'est vrai qu'on arrive vers les présidentielles, ça va être compliqué, mais bon. Il faudrait que ça soit fait de toute façon. C'est-à-dire que la corrida ne peut pas rester sans, tel que c'est aujourd'hui, quoi. C'est beaucoup trop violent. Ça devrait être aboli de base, mais le problème, c'est que ça peut pas être fait comme ça. L'opposition est tellement forte que ça peut pas être fait comme ça, quoi. Un avis sur la question, Laurence, Amandine ? Moi, juste en deux mots, je voudrais dire que c'est vraiment très, très, très décevant de la part de ce gouvernement. Bon, ce n'est pas la première déception qu'on a, mais quand on sait que l'ancien président du groupe En Marche à l'Assemblée, donc Gilles Legendre, s'était engagé lors du colloque sur les violences faites aux enfants organisées par la députée Samantha Cazebonne à la soutenir et la mettre à l'ordre du jour. Donc, c'est un engagement qui, a priori, ne sera pas tenu. Là, ça aurait été l'occasion unique de faire un chapitre là-dessus. Pourquoi il n'a pas été fait ? Enfin, moi, j'émets de sérieux doutes que s'il n'est pas mis là, il sera mis ailleurs. Enfin, donc, c'est vraiment décevant. Après, j'espère que donc, le député, dont j'ai oublié le nom, républicain, qui veut porter l'abolition des corridas, vas-y, tu peux le redire ? Éric Pauget. Voilà, va vraiment faire couler de l'encre et va essayer de remuer un peu tout ça sur les corridas. Laurence, sur le sujet ? C'est très dommage que ça ne soit pas passé, que ça n'ait pas été présenté à l'Assemblée. C'est même encore pire parce que cette loi était basée sur la protection des enfants aux images violentes. Uh-huh. Et elle incluait l'interdiction des mineurs dans les corridas et ainsi que les écoles taurines, parce qu'il faut savoir que aux enfants à tuer, enfin pas à tuer, mais à taurer avec des petits veaux, avec vraiment des bébés de quelques mois. Et donc, ceci dit, c'était même pas pour protéger les animaux, c'était pour protéger les enfants. Et malgré tout, Le lobby taurin aficionados des parlementaires a réussi à repousser cette loi suffisamment. Voilà. C'est complètement écœurant. Parce que la stratégie a été de l'axer sur les enfants pour qu'il y ait plus de chances que ça passe. Malheureusement, là, aujourd'hui, dans une loi sur la maltraitance animale, c'est plus raccord. Mais c'est ce qu'ils ont trouvé comme justification, je pense. Mais
Bon, en tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on va, on va continuer d'agir pour que ce soit, fait, quoi. C'est intéressant ce rapport aux écoles, Taurine, parce que pour le coup, si on interdit aux enfants ce drame qui se passe dans les arènes, parce que c'est horrible et parce que ça peut les toucher, forcément, ça justifie le fait qu'on doit fermer les écoles Taurine. Et pour le coup, c'est la fin du cycle et c'est la fin de cette culture, entre guillemets. C'était la stratégie de Casbonne. C'était la stratégie de Samantha Cazebonne, effectivement. C'était de ne pas abolir la corrida, mais de faire en sorte qu'elle s'abolisse toute seule avec plus d'élèves dans ces écoles et donc plus de toreros et plus de corrida. Autre question. Les dérives des chasses à cours sont quasi quotidiennes. Un maire peut-il s'opposer aux sociétés de vénerie? Ça n'a pas trait directement à la loi, même carrément pas, parce qu'il n'y a pas d'article sur la chasse, et encore moins sur la chasse à cour. Est-ce qu'un maire peut s'opposer aux sociétés de vénerie? Alors, on a eu l'exemple avec le parti animaliste, mais là, c'était pas sur la chasse à cour, c'était sur la chasse au tir au fusil, où les terrains communaux ont été interdits aux chasseurs. Donc, dans ce cas-là, c'est possible, ça a été fait. Ça a été fait par notre élu Edina Redzigui de Montpellier. Donc, ça a été fait. Donc, tous les maires peuvent prendre ce type d'arrêté. J'imagine que ça doit être faisable pour la chasse à cour aussi. Est-ce qu'il faut un courage particulier quand on est maire pour oser faire ça? Ah bah, vu la façon dont Edine a été attaquée sur les réseaux sociaux, oui, il faut du courage, oui. Comme n'importe quel défenseur de la cause animale, hein, de toute façon, oui. On s'en prend plein la figure, hein, pas plus, pas moins. Mais dans ce cas-là, oui, il a été attaqué, bien sûr, par les chasseurs sur Facebook. Amandine sait d'ailleurs ce que c'est. Hein, Amandine en est l'exemple. Oppresseurs en face, hein, avec en particulier les... Oui, bien sûr. Fallait travailler avec les cirques. Contre le cirque. Hein. Ça a été violent parfois et ça l'est toujours d'ailleurs, ou pas? C'en est où d'ailleurs ça? Non, là, ils se sont vraiment calmés depuis qu'il y a eu quelques gardes à vue. Donc, en fait, il devait y avoir l'audience au tribunal correctionnel de Paris. Enfin, non, il y a eu l'audience au tribunal correctionnel de Paris en octobre. Mais la juge a souhaité un complément d'expertise. Donc, il y a une nouvelle audience en mars. Donc voilà, donc c'est pas encore fini, mais on espère que les coupables seront jugés et condamnés. Ok, il est 20h11, ce que je vous propose c'est de clore ce live, vous avez déjà donné beaucoup de votre temps et vous avez donné donc une belle demi-heure, il reste des questions, et ce que je vous propose c'est de vous les faire passer, puis vous pourrez y répondre chacun à votre tour, ou avoir des avis sur même les avis qui sont donnés, ça donnera de l'alimentation à la suite de ce live. Ça vous va pour vous? C'est bon pour vous? Super, merci. Super, tout le monde est large, oui. Ok, merci beaucoup, je suis vraiment ravi que vous ayez accepté ce live, merci à vous qui l'avez regardé. Laurence Volbar était avec nous du Parti Animaliste, merci à Amandine Sans-Licence, Paris Animaux Zoopolis, merci à Milton Federici de Convergence Animaux Politique. Vous nous avez bien éclairé, vous m'avez donné cette espèce de réflexion, finalement c'est une vraie loi de réglementation. Et je me demande dans quelle mesure, à force de défendre le business comme cela, est-ce qu'on est vraiment sur une loi qui va lutter contre la maltraitance? Les personnes qui ont répondu au sondage répondent au sondage à 78% comme quoi ce serait timide, 22% comme quoi ce serait véritablement une avancée. Donc vous voyez, il y a encore des choses à faire. Et pour ce faire, d'ailleurs, je pense à une réflexion d'Amandine. Ces avancées, on les aura parce qu'on se bat pour les avoir. Ça veut dire que le combat est encore à venir, Amandine. Tout à fait. Et d'ailleurs, je suis très contente du résultat du sondage. Ça montre qu'on a des militantes et militants qui sont ambitieux. Et c'est comme ça qu'on aura des avancées. Alors, puisque les militants et militantes sont ambitieux et ambitieuses, je vous invite donc à vous rejoindre le 26 janvier prochain sur la place, c'est Laurence qui le sait par cœur. Édouard Herriot. Merci. Qui est une place derrière la place qui se trouve juste devant l'Assemblée nationale. Donc,
J'ai demandé cet endroit-là pour la manif, mais évidemment, on ne l'a pas eu. Donc, on est sur une petite place qui est derrière la place du Palais Bourbon, mais qui est quand même assez proche de l'Assemblée et devant laquelle il devrait y avoir quand même pas mal de passages. Et les députés, les assistants parlementaires ne devraient pas manquer de nous voir. Voilà. Et par expérience, quand on fait du bruit dans ce quartier, ça s'entend. Ce live... C'est calme. Pardon, j'ai pas entendu. C'est un quartier très calme, donc c'est effectivement, ça. Dès qu'il y a un peu d'agitation, ça s'entend aussi. Donc, faites du bruit. Ce live a eu lieu grâce à la coopération de Nombi Radio et de Sentinelle Sociale. Salut Nicolas qui est juste derrière les manettes. Je voudrais aussi donner un merci tout particulier à Enrico du Parti Animaliste pour la préparation. Voilà, donc vous n'oubliez pas, la suite c'est le 26. Allez stimuler les députés, allez les faire réfléchir, soutenez dans leur action Hamilton et Laurence et Amandine, parce qu'il y a des exigences à faire entendre ce jour-là. Très très belle soirée à vous toutes et tous et merci à nos invités. Ciao, à bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.